السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، on va juste réviser un peu avant de commencer. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ensuite, le messager d'Allah, عليه الصلاة والسلام, a cité beaucoup de hadiths qui parlent sur le fait de quoi? D'obéir aux parents. Il y a même des versets en ce sens. Et beaucoup de hadiths authentiques en ce sens. Naam. Je vais me suffire, inshallah ta'ala, à un seul hadith ici, où le messager, alayhi salatu salam, on lui a posé la question, on lui a dit, quelles sont les meilleures actions qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les meilleures actions qu'aime Allah azza wa ta'ala? Il a répondu, la prière en son heure. On lui a dit, et quoi encore? Quoi ensuite? Il a dit la bonté, le bon comportement envers les parents. On lui a dit, et quoi encore? Il a dit, el jihad fi sabilillah. C'est un hadith rapporté par le Bukhari. Vous remarquez que quoi? Que le plus important, c'est quoi? C'est de faire la prière en son heure. Ensuite, en deuxième position, l'obéissance aux parents. Et en troisième position, Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez remarqué que le fait d'obéir à ses parents prévaut sur le jihad. Car il a mis le jihad en troisième position. C'est pour ça qu'il y a un autre hadith authentique où quelqu'un est allé voir le messager d'Allah al-salam, et lui a dit, j'ai laissé mes parents en train de pleurer, ou bien ma mère, et je suis venu ici pour aller au djihad. Il lui a dit, non, pas de djihad pour toi. Reviens vers tes parents ou bien vers ta mère. Et fais-la rire ou bien fais-les rire. Comme tu les as fait pleurer. Ça, c'est le djihad qu'on appelle le djihad de la demande. C'est nous qui demandons le djihad. Ce n'est pas l'ennemi qui est venu vers nous. Ensuite, ce qui est aussi remarquable, qu'on doit remarquer, pourquoi l'obéissance des parents prévaut sur le djihad. Car celui qui n'obéit pas à ses parents, qui sont les êtres les plus proches de lui, sa mère l'a fait sortir de son ventre. Il ne lui obéit pas. Il n'obéit pas à son père, qui a été la cause de son existence. Comment va-t-il obéir à son chef quand il va faire la guerre? Quand tu vas combattre, il y a quelqu'un qui te commande. Un capitaine, un lieutenant, un général, je ne sais pas qui va te donner des ordres. Toi, tes parents, tu ne leur as pas obéi. Et tu vas obéir à quelqu'un qui est étranger. Naam. Ensuite, j'aimerais ajouter un deuxième hadith ici, naam, qui le cheikh ne l'a pas cité, mais très important, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait deux sortes de châtiments qui auront lieu dans ce bas monde et pas dans l'au-delà. Vous savez, quand la personne se trompe, il y a beaucoup de fautes quand on les fait ici, Allah Ta'ala ne nous châtie pas. Il les laisse pour l'au-delà. Non. Mais il y a deux sortes de péchés. Si jamais quelqu'un les fait, il sera puni ici avant l'au-delà. Vous savez quels sont ces deux péchés? C'est premièrement l'injustice.
Et le deuxième péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. La désobéissance aux parents. Le messager, alayhi salatu wasalam, a dit, Babani, Baban, mu'ajjalani 'uqubatuhuma. Il y a deux sortes de péchés qui ont quoi? Yani leur châtiment, c'est dans ce bas monde. Ensuite, il a dit quoi? Al-baghyu, l'injustice, et l'uquq, la désobéissance. Le hadith se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans le numéro 1120. 1120. Donc vous voyez, désobéir à ses parents, quand on leur désobéit, on est puni ici dans ce bas monde avant l'au-delà. Et tout le monde connaît les histoires qu'il y a sur les gens qui ont frappé leur père, qui ont frappé leur mère, comment ils ont été punis dans ce bas monde avant qu'ils ne soient punis dans l'au-delà, sauf si quoi? S'ils font la tawba bi'idhnillahi ta'ala. N'oubliez pas, barakallahu fikoum, de m'écrire le numéro 1. Et moi, personnellement, une fois, j'ai vu une personne qui marchait, comment on dit ça, yani, celui qui marche comme avec une canne, tu vois, avec le pied, un pied yani, tordu. Hein, quelqu'un qui marchait comme ça, yani, bon, j'ai oublié le mot, je n'ai pas trouvé, le mohim. Ensuite, quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui connaît bien cette personne, il m'a dit, tu vois celui-là, pourquoi il marche comme ça? Hein, il a des difficultés à marcher. Hein? Oui, non, je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, cette personne a frappé une fois son père avec un coup de pied. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni. Il a fait un accident de voiture. Il a presque, yani, le pied coupé. Son pied n'a pas été coupé, mais il ne peut pas l'employer quand il marche. Subhanallah al-Azim. Ça, yani, c'est une des milliers d'histoires qui existent dans ce sens. Non. Ensuite, le Cheikh Rahmo a dit, et les gens de la Sunna recommandent aussi le bon voisinage. Les gens de la Sunna recommandent quoi? Le bon voisinage. D'ailleurs, vous savez tous qu'il y a beaucoup de hadiths en ce sens. Il y a même aussi des versets en ce sens. On va se suffire, inshallah ta'ala, à deux hadiths. Le premier, où le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Il a dit, quiconque de vous croit en Allah ta'ala et au jour dernier, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Fal yukrim jarah. Alors qu'il traite bien son voisin. C'est un hadith authentique, bien sûr, et il se trouve dans Sahih al-Mishkat. Le Cheikh Al-Albani, numéro 1937. C'est-à-dire que celui qui ne traite pas bien son voisin est quelqu'un quoi? Est quelqu'un qui a une foi vraiment faible. Une foi vraiment faible. Non. Ensuite, il a dit, dans un autre hadith aussi, il a dit, Afwan, le hadith que j'ai cité se trouve dans le Bukhari. Se trouve dans le Bukhari. Celui que je vais citer maintenant se trouve dans Sahih al-Mishkat. Numéro 1937. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ida tabakhta marika. Si jamais tu prépares une sauce, fa'akthir min ma'iha. Alors, mets beaucoup d'eau. Pourquoi? Wa ta'ahad jiranak. Et enquiers-toi de tes voisins. Au lieu de mettre juste un peu d'eau, juste, ça va donner juste un peu de sauce, mais beaucoup d'eau, ça va donner plus de sauce. Pourquoi? Pour, yani, donner un peu à tes voisins et les faire goûter. Et ce n'est pas la peine de vous dire, c'est juste pour vous rappeler que tout le monde sait qu'il y a un hadith authentique où le messager d'Allah a dit que yani mazal Jibril yusini bil jarih hatta dhanantu annahu sayuritu, rawi al-Bukhari. Il a dit que l'ange Jibril alayhi salam n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, au point que j'ai cru à un certain moment qu'il allait l'imposer comme héritier. J'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. Et l'autre hadith avec lequel on va finir, où le messager a dit, je jure par Allah que celui-là ne croit pas. Je jure par Allah que celui-là n'est pas croyant trois fois. Ils ont dit, qui a Rasulallah celui-là? Qui? Il a perdu la vie et l'au-delà. Qui c'est celui-là? Il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses problèmes et de ses méchancetés. C'est-à-dire, si tu as un voisin
qui n'est pas à l'abri de tes problèmes et tes méchancetés, non? Et de ce que tu lui fais comme mal, ça veut dire que la vraie croyance n'est pas rentrée dans ton cœur. Tu es seulement quelqu'un qui dit Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad Abdu Rasulullah, mais tu as juste la base, tu as le minimum de la foi. Tu n'as pas ce qu'on appelle l'ihsan, tu n'as pas la bienfaisance. Non. Enfin, sachez que, comme a dit le cheikh ici, rahimahullah, il a dit Waljar, in kana musliman qariban, kana lahu thalathatu huquq, haqqul islam wa haqqul qaraba wa haqqul jar. Le voisin, tout voisin, ou bien il est musulman, ou bien il est kafir. Et, ou bien c'est quelqu'un de la famille, ou bien c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille. Maintenant, si notre voisin est un musulman, et en même temps c'est quelqu'un de la famille, un proche, donc ce voisin va avoir sur nous trois droits. Une seconde. Trois droits. Non. O-I-T-S. Trois droits. Non. Le premier, c'est quoi? Le fait qu'il soit mon voisin. Et le deuxième droit, le fait qu'il soit un musulman. Et le troisième droit, le fait qu'il soit un proche. Maintenant, si mon voisin, c'est seulement un voisin et un proche, mais ce n'est pas un musulman, c'est un kafir, c'est un juif. Ça veut dire combien de droits il a sur moi? Non? Il a deux droits. Le fait d'être mon voisin et le fait d'être un proche, même s'il est kafir. Maintenant, si mon voisin, c'est mon voisin, et en même temps, c'est un musulman, mais ce n'est pas un proche. C'est un voisin musulman et ce n'est pas un proche. Qu'est-ce qu'il a? Il a deux droits, d'être voisin et d'être musulman. Et maintenant, si mon voisin, c'est un voisin, mais qui n'est pas musulman, c'est un kafir, et en même temps, ce n'est pas un proche. Donc, combien de droits a-t-il? Il a un seul droit. Quel droit? Le droit d'être mon voisin. Donc, dans tous les cas, le voisin a au moins un droit sur toi. Dans tous les cas, le voisin a au moins un droit sur toi. Ensuite, il a dit, et il recommande la bienfaisance aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et la douceur envers l'esclave et envers ceux qui sont sous nos commandements. Quand il a dit, il commande la bienfaisance envers les orphelins. Les orphelins, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant qu'il ne soit pubère. Toute personne qui a perdu son père avant que cet enfant ne devienne pubère, on dit de lui, c'est un orphelin. Quand il est pubère, il est devenu pubère, on ne dit plus de lui, c'est un orphelin. Et s'il a perdu sa mère, on dit c'est un orphelin de mère. Pourquoi on ajoute de mère? Car en arabe, si on dit c'est un orphelin, ça veut dire orphelin de père. C'est pour ça qu'on va montrer, on va dire c'est un orphelin de mère. De mère. Naam. Il a dit pourquoi l'islam nous ordonne la bienfaisance envers l'orphelin. Il a dit parce que l'orphelin a un cœur brisé de par la perte de son père. Donc il a le cœur brisé. فَهُوَ فِي حَاجَ إِلَى الْعِنَايَ وَالْرِفْقِ. Donc il a besoin d'aide et de douceur. C'est pour ça qu'on doit être bienfaisant envers lui. Naam. Il a dit ensuite, et ils ordonnent la bienfaisance envers les pauvres et les indigents. Le Cheikh Ali Rahmatullah dit ici, وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمَسَاكِينَ يَكُونُ بِحَسْبِ الْحَالِ. Il a dit la bienfaisance envers les pauvres et les indigents, c'est d'après leur situation. فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى طَعَامٍ فَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِ بِأَنْ تُطْعِمَهُ. Si maintenant le pauvre
Le nécessiteux, c'est quelqu'un qui a faim et il ne trouve pas quoi manger. Alors la bienfaisance consistera à le nourrir. Naam, si le nécessiteux a faim, c'est quoi la bienfaisance envers lui? De l'emmener au cinéma? Lui dire viens, viens, on va voir un film? Non. Mais il faut le nourrir. C'est ça la bienfaisance envers celui qui a faim. Et s'il n'a pas d'habits, la bienfaisance, c'est de lui acheter des habits. Naam. Et maintenant, si ce n'est pas une question d'habits, ni de nourriture, mais c'est une question, par exemple, de lui donner de l'importance. Car vous savez que, yani, le miskin, le pauvre, sont toujours yani, un complexe par rapport aux autres. Donc il a dit, dans ce cas, فَإِذَا دَخَلَ الْمَجْلِسِ تُرَحِبُوا بِهِ. Il a dit, dans ce cas, si par exemple, il rentre dans une assise, ou bien tu le rencontres, tu dois quoi? Tu dois lui dire, مَرْحَبًا أَهْلًا بِكَ, ça fait longtemps que tu n'as pas vu, comment tu vas? Et comme ça, il a dit, pourquoi? مِنْ أَجْلِ أَنْ تَرْفَعَ مِنْ مَعْنَوِيَتِهِ. Il a dit, pour que tu lui relèves le moral. Pour que tu lui relèves le moral. Et qu'il sente qu'il y a des gens qui sont là, en train de penser à lui, en train de quoi? De demander comment il va, en train de chercher ce qui lui manque. Et comme ça, il a dit, فَمِنْ أَجْلِ هَذَا النَّقْسِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ عَلَيْهِ بِحِكْمَتِهِ أَمَرَنَا عَزَّ وَجَلَ أَنْ نُحْسِنَ إِلَيْهِ. Il a dit, à cause de ce manque et de ce complexe que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété sur eux, il a dit, à cause de cela, il nous a ordonné d'être bienfaisants envers les pauvres et les nécessiteux. Ensuite, il a dit, et d'être bienfaisant aussi envers le voyageur. Naam, envers le voyageur. Et Cheikh Allah nous dit ici, فَإِذَا نَزَلَ إِبْنُ السَّبِيلِ بِكَ ضَيْفًا فَمِنْ إِكْرَامِهِ أَنْ تُكْرِمَ ضِيَافَتَهُ. Il a dit, si jamais un voyageur descend chez toi comme hôte, alors ça rentre dans la bienfaisance de quoi? De bien l'accueillir et yani, de lui préparer la meilleure chose que tu as et que tu puisses préparer et de lui donner le meilleur oreiller, lui donner la meilleure place et comme ça. Ce n'est pas comme font certains, yani, quand l'invité vient, yani, ils ne font aucun effort. Aucun effort. Il dit, alhamdoulilah, il y a quoi? Il y a le riz. Il y a le riz d'hier, il va le manger. Il y a les aubergines. Même la semaine passée, on va les réchauffer, on va les lui donner. Ce n'est pas ça, Ikram al-Dhaif. Ikram al-Dhaif, comme a dit l'imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, quand un invité vient chez toi, si c'était possible, toute cette dunya, la dunya, si on pouvait la mettre, yani la prendre de notre main, toute la dunya, et la mettre sur une cuillère, et la lui donner, il a dit, ça ne rentre pas dans le gaspillage. Quand un invité vient chez toi, et tu lui prépares, comme on dit les selfs, si jamais un invité vient chez toi, et chaque soir, tu lui égorges un chameau à cause de lui. Vous savez c'est quoi un chameau, combien ça coûte? Et chaque soir, un nouveau chameau à cause de lui. Ils ont dit, ça ne rentre pas dans le gaspillage. Mais ça rentre dans quoi? Dans, yani, ikram al-dhaif, dans le fait d'être bienfaisant envers qui? Envers l'invité. Et bien sûr, cette qualité se trouvait beaucoup chez les Arabes. Ils étaient très connus par cette qualité, même avant l'islam. Même avant l'islam. Quand on parle des Arabes, on dit quoi? On dit qu'ils sont très généreux, on dit qu'ils reçoivent bien l'invité, on dit qu'ils connaissent bien les poèmes et comme ça. Donc c'est une chose avec laquelle les Arabes sont très connus. Qu'en est-il maintenant après l'islam, après la venue de l'islam? Naam. Tayyib, le Cheikh Rahman dit, si jamais quelqu'un vient chez toi, naam, donc il faut l'accueillir chez lui, naam, l'accueillir chez lui, et faire son possible, naam, pour, yani, pour lui montrer qu'on l'a bien accueilli. Faire son possible pour lui montrer qu'on l'a bien accueilli. Il a dit, mais maintenant, si on ne peut pas l'accueillir, on a par exemple un appartement exigu. J'ai juste une pièce pour
pour les enfants. Comment faire pour l'accueillir? Il a dit, dans ce cas, bien sûr, on demande à une autre personne de l'accueillir. Ou bien alors, nous allons l'accueillir en lui payant une chambre à l'hôtel. Hein, et en le faisant manger dans un restaurant. Non, pourquoi? Allah Ta'ala sait que je n'ai pas les moyens de l'accueillir chez moi. Ensuite, il a dit, il recommande quoi? Les gens de la Sunna recommandent la douceur envers ceux qui sont sous nos commandements. Ceux qui sont sous nos commandements. Et ceux qui sont sous nos commandements, ou bien ce sont des êtres humains. Non, comme par exemple les enfants, etc. Et l'esclave. L'esclave, ou bien ce sont les animaux. Les animaux sont aussi sous nos commandements. Cheikh Lahmoud dit, Farrif bin Mamlouk, par exemple la douceur envers l'esclave, l'adami, si c'est un être humain, un tout aimaw il a ta'imt. De le nourrir si jamais tu manges. Et de l'habiller si jamais tu achètes des habits pour toi. Et de ne pas lui demander de faire les choses qui le dépassent. Naam. Tu ne peux pas yani, prendre une chose, tu ne vas pas l'obliger à lui dire, yani, même si elle est très lourde et il ne peut pas la porter, il ne faut pas le forcer et lui dire, tu dois la porter. Naam. Confond bien sûr beaucoup de gens, beaucoup de familles et surtout beaucoup de femmes. Naam. Qui n'ont pas la rahma et la miséricorde dans le cœur. Quand il y a quelqu'un qui travaille chez eux, naam, il le force à faire des choses qu'il ne peut pas faire. Mais Allah Ta'ala a inscrit. Allah Ta'ala a inscrit. Naam. Il leur posera des questions yawm al-qiyamah. Il a dit, mais maintenant, si jamais celui qui est sous nos commandements, par exemple, ce sont des animaux. Il a dit, dans ce cas, que ce soit des animaux sur lesquels on monte, ou bien des animaux qu'on trait, pour enlever le lait, comme les vaches, etc. Hein, il a dit, la bienfaisance, hein, change et varie d'après l'animal qu'on a et la situation. Il a dit, par exemple, il a dit en hiver, par exemple, tu vas mettre ces animaux dans des endroits chauds pour qu'ils ne tombent pas malades à cause de quoi? Du froid et de la neige. Car l'animal ressent comme on ressent nous aussi. Non. Il a dit, par exemple, et pendant l'été, il a dit, pendant l'été, cet animal, tu le mets dans un endroit frais. Dans un endroit aéré. Dans un endroit aéré. Naam. وَيُؤْتَ لَهَا بِالطَّعَامِ وَبِالشَّرَابِ إِنْ لَمْ تَحْصُلْ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا بِالرَّأْيِ. Et il a dit, bien sûr, si l'animal qu'on a, c'est un animal qui ne va pas au pâturage, il a dit, donc cet animal, on est obligé que ce soit nous, puisqu'il est sous nos commandements, donc ce soit nous qui allons le nourrir. Naam. Il faut que ce soit nous qui allons le nourrir en lui achetant yani, le nécessaire. Il a dit, وَإِنْ كَانْتْ مِمَّا تَحْمِلْ فَلَا تُحَمَّلْ مَا لَا تُطِقْ. Maintenant, il a dit, si on a un animal qui, sur lequel on porte des choses, on porte des fardeaux et un certain poids, il a dit, on ne doit pas naam, porter sur cet animal plus qu'il n'en peut supporter. Et là, ça me rappelle un hadith authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit qu'une fois, il est rentré comme ça dans un jardin, il est rentré dans un jardin, et il y en est pour faire ses besoins. Ensuite, quand il a terminé, un chameau qui est aussi dans le jardin, s'est approché du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ce chameau a commencé à larmoyer. Il avait des larmes aux yeux. Ensuite, le messager, alayhi salatu wasalam, a dit, qui est le propriétaire de ce chameau? Il vient de se plaindre à moi. Et il m'a dit que son propriétaire portait sur lui plus qu'il n'en pouvait et ne le nourrissait pas comme il se devait. Subhanallah, un chameau qui a quoi? Qui s'est plaint au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a reconnu, un chameau a reconnu que cette personne-là, c'est le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il est allé se plaindre à lui. De quelle façon? Allah Ta'ala sait. Comment lui a-t-il parlé? De quelle façon? Dans quelle langue? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais le messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit,
qui est le propriétaire de ce chameau. Il vient de se plaindre à moi de son maître, car il a dit que il portait sur lui plus qu'il n'en pouvait et il ne lui donnait pas à manger. Donc malheur, malheur et malheur à ceux qui ont des animaux chez eux et qui ne les nourrissent pas, ou bien les mettent dans le froid, ou bien les mettent dans la grande chaleur, ou bien ne les soignent pas quand ils tombent malades. Naam, tu ne peux pas faire comme ça de ton animal, laisse-le libre, ouvre la porte et dis-lui, salam alaykoum, allez, va dans la rue. Naam, pourquoi? Yani, tu ne peux pas yani, lui donner ce qu'il peut. C'est un peu comme l'oiseau. L'oiseau, c'est pas interdit de l'avoir. Mais à condition que quoi? À condition, yani, de lui donner ce qu'il veut. Lui donner à manger à chaque fois qu'il veut. Lui donner à boire à chaque fois qu'il veut. Et même des savants ont dit quoi? On dit que aussi, si c'est le genre d'oiseau qui a besoin d'être accouplé, il faut aussi lui ramener la femelle quand c'est le moment de l'accouplement. Quand c'est le moment de l'accouplement, il faut lui ramener, naam, ce dont il a besoin. Naam, tu ne peux pas faire des choses, si c'est des choses pareilles, tu n'es pas obligé d'avoir un oiseau chez toi. Le cheikh dit, rahimahullah, il a dit, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الشَّرَعِ. Il a dit, ces choses-là montrent quoi? Montrent la perfection de cet islam. وَأَنَّهُ لَمْ يَنْسَحْتَ الْبَهَائِمِ. Et comment cet islam, même les animaux, il ne les a pas oubliés. Même les animaux, il ne les a pas oubliés et il nous a obligés à quoi? À leur donner leurs droits. Naam, subhanallah al-azim. Et moi j'ajoute, l'islam, non seulement n'a pas oublié les animaux, mais il n'a pas oublié aussi qui? Il n'a pas oublié les esprits, les djinns. Naam, il y a des esprits qui vivent avec nous. Naam, qu'on appelle en arabe les djinns. Naam, il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a, ils sont avec nous, ça. Les autres, ils les appellent des esprits. En moyenne, ceux-là qu'on ne voit pas et qui sont avec nous, ceux-là, qu'a dit le messager d'Allah, il a dit dans le hadith que vous connaissez tous, le hadith authentique, il a dit qu'il était interdit, si quelqu'un faisait ses besoins et voulait se laver, il n'y a pas d'eau, il a dit c'est interdit de s'essuyer avec un os ou bien avec l'excrément d'un animal. Ensuite, il a dit pourquoi? Il a dit, c'est là, quoi? C'est des provisions de vos frères, les djinns. C'est les provisions de vos frères, comme ça. Ikhwanikum, vos frères, les djinns, les esprits. Donc les djinns, vous savez, ils mangent quoi? Ils mangent quoi, les djinns? Quand il est musulman, il mange par exemple l'os. Nous, quand on égorge par exemple un mouton, on va manger la viande et on jette les os. Cet os-là que tu vas jeter, quand le djinn musulman le voit, naam, Allah Ta'ala le remplit de viande. Il le prend, il le mange. Donc cet os-là, c'est interdit que tu mettes dessus quoi? De la souillure. Tu vas t'essuyer, tu vas l'os. Il a dit, c'est interdit. Pourquoi? À cause de ton frère le djinn, ton frère l'esprit, qui est musulman. S'il est musulman, que quoi? Qu'il trouvera cet os rempli de quoi? Rempli de viande. Et mieux encore, l'islam nous a ordonné de quoi? Subhanallah al-Azim, d'être bienfaisant envers les animaux des djinns, les animaux des esprits. Et il a dit aussi pour les excréments de l'animal qu'on mange, comme la vache, comme le mouton, la brebis, leurs excréments, les petites boules là, il a dit ceux-là aussi, il ne faut pas s'essuyer avec. Pourquoi? Ce sont les provisions, c'est-à-dire le manger des animaux, des djinns. Donc regardez, subhanallah al-azim, la splendeur de l'islam. Non seulement il pense aux êtres humains, mais encore il pense même aux djinns. Et il pense même aux animaux des djinns. Sans parler des animaux, yani des êtres humains. Subhanallah al-azim, ma a'zama ka ya islam. Comme tu es beau, ô islam. Ô toi l'islam, qu'on amochit jour après jour, hein, et que beaucoup de soi-disant musulmans de sectes égarées, de tekfir, de khawarij, de shia, de ahbesh, lui donnent une très très mauvaise image au point
de faire fuir les gens et de dire Alhamdoulilah que yani, je veux rentrer dans n'importe quelle religion sauf celle de l'islam. Quand ils voient ce que font les terroristes, ce que font les mauvaises sectes. Al-Muhim. Allah al-Musta'an. Ensuite, il a dit wa yinhauna. Et les gens de la Sunna, yinhauna, ils interdisent. Naam. Al-Fakhr wal-Khuyala wal-Baghi. La vanité, l'injustice, naam. Wal-Istitala al-Khalqi bi-Haqq ou bi-Ghairi Haqq. Et aussi, le fait de traiter autrui avec quoi? Avec mépris et arrogance. Le cheikh ici dit, naam, il dit, فَأَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ Les gens de la sunna et du consensus, يَنْهَوْنَ عَنْ هَذَا Ils interdisent ces choses-là qu'on vient de citer. وَيَقُولُونَ Et ils disent, كُنْ مُتَوَاضِعًا Sois modeste, فِي الْقَوْلِ وَفِي الْفِعْلِ Sois modeste dans tes propos, quand tu parles, et aussi dans tes actes et tes actions. حَتَّى فِي الْقَوْلِ Même dans tes dires, naam, ce que tu dis quand tu parles aux gens, sois modeste. Naam, la tutni ala nafsik bi sifatika alhamida. Le cheikh dit, ne te fais pas des éloges. Naam, ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'auto-admiration. Il y a des gens qui s'auto-admirent, subhanallah al-azim, qui se font des éloges à eux-mêmes. Et quand tu les rencontres, ils ne se lassent pas de se faire des éloges. Moi j'ai fait ceci, je suis cela, j'ai donné ceci, j'ai écrit. Ils ne s'arrêtent pas de parler en se faisant des éloges. Naam. Il a dit, tout ça c'est interdit. Les gens de la sunna ne sont pas comme ça. Mais au contraire, ils sont très très modestes. Très modestes. Naam. Illa haythu da'ati d'daruratu aw al-hajatu illa lik. Il a dit, sauf s'il y a une nécessité à faire des éloges. Des fois, il y a une nécessité. Naam. Quand est-ce par exemple il y a une nécessité? Il a dit, ka qawl Abdullah ibn Mas'ud. Comme ce qui a été rapporté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Radiallahu ta'ala anhu, le grand compagnon, dans un hadith rapporté par Muslim dans son sahih, qu'a dit ce compagnon radiallahu ta'ala anhu? Écoutez ce qu'il a dit. لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, si je savais ou si je connaissais qu'il y a quelqu'un, naam, qui connaît mieux que moi le Coran, quand je dis le Coran, c'est pas le fait de l'apprendre, hein? C'est son interprétation. Il a dit, si jamais il y avait quelqu'un, ou là on m'apprend, ou là on me dit qu'il y a quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi, et que cette personne est joignable à d'autres chameaux, c'est-à-dire même si je dois faire 500 km ou 1000 km à d'autres chameaux, mais que cette personne est joignable, il a dit, la rakubtu ilay, alors je partirai, j'irai chez cette personne. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui connaît l'explication du Coran ou bien le Coran mieux que moi. Quelqu'un va dire ici, mais ça rentre dans le fait de ne pas être modeste. Ça, je vais m'asseoir et je vais dire, s'il y a quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi, montrez-le-moi. Ici, Cheikh Larmou dit, ça rentre dans la nécessité. Non, pourquoi ça rentre dans la nécessité? En deux points. La première, حَسْتُ النَّاسِ عَلَى تَعَلُّمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. La première, ici, il veut pousser les gens et les inciter à quoi? À ce qu'ils apprennent le livre d'Allah Azza wa Jal et qu'ils comprennent son sens. Et la deuxième chose qu'il a poussé à dire ainsi, da'watuhum litalaqi anhu, pour inciter les gens à ce qu'ils prennent de lui. Naam. C'est comme si, par exemple, je vois moi des gens de la bid'a dans une petite ville, je vois des gens de la bid'a se diriger vers une certaine personne de la bid'a et comme ça, naam. Et je suis le seul dans la ville et j'ai des diplômes, etc. Là, je dois parler. Je dois même montrer aux gens que j'ai des diplômes, etc. Pourquoi? Pour qu'ils me suivent. Parce que les gens ne font pas confiance. Non, je peux même lancer un défi. Je dis, je défie votre professeur ou celui qui vous apprend dans la mosquée. Je le défie dans la sharia s'il connaît mieux que moi l'islam ou la sunna ou là. Non, si bien sûr je suis sûr de ce que je dis. Dans ce cas, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans la vanité ni dans le fait de se faire des éloges. Pourquoi? Parce que tu as quoi? Tu as un but. Quant à l'autre, non. Il veut se faire des éloges juste pour que les gens parlent de lui et l'applaudissent, etc., etc. Il veut avoir une place dans leur cœur. Quant au deuxième, non. Le deuxième veut faire quelque chose pour arrêter la bid'a, pour arrêter l'hérésie.
pour arrêter les innovations, pour que le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala soit propagé. Vous voyez, il y a une grande différence entre les deux. Et ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, ça rentre dans la deuxième chose. Na'am. Ensuite, il a dit, وَالْإِنسَانُ ذُو الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ لَا يَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ تَخْفَى عَلَيْهِمْ خِصَالُهُ أَبَدًا سَوَاءٌ ذَكَرَ لِلنَّاسِ أَمْ لَمْ يَذْكُرْهَا بَلْ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَارَ يُعَدِّدُ صِفَاتِهِ الْحَمِيدَةِ أَمَامَ النَّاسِ سَقَطَ مِنْ عُيُونِهِمْ فَاحْذَرْ هَذَا الْأَمْرَ. Ensuite, Cheikh رحمه الله dit la personne qui est modeste, qui a beaucoup de qualités, sait dans son fort intérieur, elle sait quoi? Elle sait que toutes ces qualités qu'elle a, que les gens, bien sûr, remarquent ces qualités. Il a dit, sans être obligé de leur dire, sans que je sois obligé de dire, je suis X, je suis Y, j'ai telle qualité. Non, ce n'est pas la peine de dire, Allah subhanahu wa ta'ala montrera tes qualités aux gens si tu es sincère. Bien au contraire, Cheikh Allah Irahmoudi, il dit bien au contraire. Maintenant, si tu commences à vouloir montrer tes qualités aux gens, alors tu vas tomber de leurs yeux. Alors ils vont parler de toi, ils vont dire celui-là, c'est un vantard, c'est un vaniteux celui-là, il ne faut pas l'écouter. À chaque fois qu'on le rencontre, il commence à nous dire, moi je suis X, je suis Y, j'ai tel diplôme, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Celui-là, c'est quelqu'un qui se vante. C'est pourquoi que là, tous les sahaba, surtout les grands sahaba, comme Abu Bakr, Omar, surtout Abu Bakr, combien qu'il faisait, combien il faisait de choses entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, en cachette, sans que jamais personne ne sache ces choses. Et pourtant, Allah ta'ala a voulu que tout le monde sache ces choses. Subhanallah. Plus tu veux cacher pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah ta'ala montre tes qualités aux gens. Il te rétribue, te donne une récompense ici en faisant de sorte que les gens t'acceptent dans leur cœur et t'aiment et voient tes belles qualités. Mais si tu veux le contraire, tu veux que ce soit toi qui montres tes qualités et toi qui te vantes, alors Allah Ta'ala va faire de sorte que les gens vont te haïr et vont te critiquer. Ils vont dire celui-là, il n'arrête pas de faire des éloges sur lui-même. Naam. Donc apprenez ça, barakallahu fikum. Ensuite, il a dit, parce que inchallah ta'ala, il faut qu'on termine aujourd'hui. Il a dit, les gens de Al-Sunnah Al-Jama'a, qu'est-ce qu'ils ordonnent aussi? Attends une seconde. Ils ordonnent les vertus morales éminentes et interdisent les mauvaises mœurs. Ensuite, il a dit, tout ce qu'ils affirment ou font procède de leur conformité au livre et à la Sunnah. Le livre, c'est le Coran. Leur voix et celle de la religion de l'islam avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce dernier a averti sa communauté qu'elle allait après lui se diviser en 73 groupes, firqa, lesquels seraient tous voués au feu à l'exclusion d'un seul groupe, celui du consensus, Jama'a. Et ce dernier groupe, est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné dans un hadith authentique lorsqu'il a dit, ce sont ceux qui se conforment au modèle que moi et mes compagnons incarnons aujourd'hui. Hein, ce sont ceux qui se conforment au modèle que moi et mes compagnons incarnons aujourd'hui. Non. Maintenant, donc, on va parler un peu en arabe. Le Cheikh Rahimahullah dit que, il va expliquer, il dit que les gens de Al-Sunnah Al-Jama'a, ils sont connus par quoi? Ils sont connus par que tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font est basé sur le Coran et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au point où il a dit une chose très importante, il a dit, وَلِهَذَا يُقَالْ إِنَّ عِبَادَةِ الْغَافِلِينَ عَادَتْ وَعَادَةِ الْمُنْتَبِهِينَ Ibadat. Il a dit, au point où on dit que les adorations des gens distraits, ce sont quoi? Ce sont des habitudes. Et les habitudes
des gens qui ne sont pas distraits, ce sont quoi? Ce sont des adorations. Vous avez compris ce qu'il a voulu dire ici? Non? Il veut dire, rahimahullah, que le vrai croyant, il profite pour faire de toute chose une adoration. Même si cette chose c'est une habitude, il va essayer de faire elle une adoration. Alors que celui qui est distrait, c'est le contraire. L'adoration elle-même, il va la rendre habitude. Je vais donner un exemple. Le vrai croyant, celui qui suit le Coran et la Sunna, il a de l'humiliation et de l'humilité dans son cœur, le khushu'. Quand il voit par exemple, je ne sais pas quoi, il voit le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est une habitude. C'est une habitude, chaque soir, le soleil se couche. C'est, chez les gens, c'est une habitude. Pour lui, non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Masha'Allah, Subhanallah, Masha'Allah, quelle beauté. Il voit une grande montagne. Il est au pied de la montagne. Il dit, Subhanallah, Subhanallah. Pourtant, c'est rien, c'est une montagne, mais il y a l'adoration de dire, Subhanallah. Et comme ça, chaque fois qu'il voit une chose, Subhanallah al-Azim, il fait une adoration en disant Subhanallah, en disant Masha'Allah, en disant Tabarakallah, en disant des choses pareilles. Regardez, des choses qui sont des habitudes pour les gens, pour cela, ça devient une adoration. Et pour les gens distraits, c'est le contraire. L'adoration, ils la rendent habitude. Prenez l'exemple de quand on termine la salat, qu'est-ce qu'il y a? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma tassalam, wa minka salam, tabarakta ya al-jalal al-ikram. Ensuite, un peu plus tard, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tesbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et comme ça, alhamdoulilah, et Allahu Akbar. Naam, 33 fois. Les distraits, comment qu'ils font? Ça, ce sont des adorations, le fait de dire subhanallah, subhanallah, alhamdoulilah. C'est une adoration, ça. On doit la faire avec khushu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et je pense à ce que je suis en train de dire. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et comme ça. Donc, cette adoration, les gens qui sont distraits vont faire d'elle quoi? Une habitude. C'est pour ça que, yani, il n'a pas trop chaud quand il fait le dhikr. Il dit comme ça. C'est comme ça qu'il dit subhanallah. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a rendu l'adoration, il a rendu habitude, mais il a rendu un jeu. Ça, ce n'est plus dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça qu'on fait dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on est en train de quoi? On est en train de se moquer. On est un peu en train de se moquer sans le vouloir. Non. Quand tu dis subhanallah, ça veut dire que tu reconnais, c'est comme si tu disais que je reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut. Subhanallah, subhanallah, non, subhanallah. Ils disent qu'il a un enfant, subhanallah. Ils disent qu'il a une femme. Subhanallah. Ils disent qu'il est rancunier, subhanallah. Ils disent qu'il est injuste, subhanallah. Et comme ça. Ça, c'est comme ça que tu penses dans ton cœur. Mais les autres, non. Non? Lui-même, il ne sait pas ce qu'il dit, il est en train de se moquer. Est-ce que toi, si tu vas rentrer chez une grande personnalité, tu vas lui parler avec humilité, avec khushu, avec, ou là tu vas parler comme ça, Yanni, en train de. C'est comme si tu te moquais. Non. Ensuite, il a dit, et la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va se diviser en 73 groupes. Naam, en 73 groupes. 72 groupes de ces 73 vont aller en enfer. Un seul groupe va aller au paradis. Ici, il y a deux choses très importantes à dire bi'idhnillahi ta'ala. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, sa communauté, ummatahu, il faut savoir que la communauté se divise en deux. C'est très important que vous sachiez ça, pour ne pas tomber dans les erreurs. Quand il y a le mot umma, communauté, on va voir. Est-ce que c'est la communauté du prêche et de la prédication, ou bien c'est la communauté qui a répondu à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Si c'est la communauté, si l'on entend par là, la communauté du prêche et de la prédication, alors tout le monde, tous les êtres humains rentrent dans cette catégorie.
la catégorie de la prédication du prêche. Ça veut dire rentre aussi les kofars, rentre aussi les juifs, les bouddhistes, tout le monde rentre dans cette communauté. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah a été envoyé pour tous les êtres humains. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً أَكِي لِلْعَالَمِينَ, pour tout le monde. Naam. Mais si c'est, on veut dire ici par communauté, celle qui a répondu à l'appel, alors ceux qui ont répondu à l'appel, ce sont seulement les musulmans. Donc il y a deux genres de communautés. C'est pour ça que si on va dire par exemple que Ummat Muhammad, comme ça en général, on va dire Ummat Muhammad, est-ce que les chrétiens et les juifs rentrent dans Ummat Muhammad ou ils ne rentrent pas? Ils rentrent. Le juif est quelqu'un qui fait partie de la communauté de Muhammad, alayhi sallam. Le chrétien fait partie de la communauté de Muhammad, alayhi sallam. Mais de quelle communauté? Celle du prêche et de la prédication ou bien celle de celui qui a répondu à l'appel? Non, ça fait partie de seulement celui ou bien celle du prêche et de la prédication. Taïb. Maintenant, ou peut-être je vais donner un autre exemple. Quand le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, « Kullu ummati mu'afa. » Il a dit, « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf celui qui ne veut pas me suivre. » Il parle de qui ici? La communauté qui lui a répondu, ou bien la communauté du prêche et de la prédication? Il a dit, « Toute ma communauté mu'afa sera pardonnée, il l'amène à bas, sauf celui qui ne veut pas. » On lui a dit, « Qui ne veut pas, ya Rasulallah ?» Il a dit, celui qui m'obéit, m'a suivi, ira au paradis. Celui qui ne m'a pas suivi, m'a désobéi, n'ira pas au paradis. Quand il a dit ici, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que sa communauté allait se diviser en 73 groupes. Il parle de la communauté, de la prédication, ou bien de la communauté qui a répondu à l'appel. Si on dit, parle de la communauté, de la prédication, ça veut dire que ça rentre les kofars. Les kofars vont rentrer à l'intérieur. Mais si on va dire il parle de la deuxième, ça veut dire il parle ici des musulmans. Ce sont seulement les musulmans qui vont se diviser en 73 groupes. Donc c'est quoi la vie ici le plus juste? La vie le plus juste que c'est que les 73 groupes, ce sont seulement des musulmans. Pourquoi? Quelle est la preuve? La preuve, avant de dire que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, il a parlé déjà des juifs et des chrétiens. Il a dit les juifs se sont divisés en 71 groupes, ensuite les chrétiens en 72 groupes, ensuite il a parlé de qui? De sa communauté. Donc sa communauté ici, il ne parle plus, alaykoum salam, rahmatullah, il ne parlait plus des chrétiens, il ne parlait plus des juifs, il parle de qui? Des musulmans. Donc ça c'est le premier intérêt. Le premier intérêt, donc les 73 groupes, ce sont 73 groupes de musulmans. Il n'y a pas d'intérieur, ni de chrétiens, ni de juifs. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, le Cheikh Lairhmo montre ici, je vais juste résumer, montre qu'il y a beaucoup de savants, de musulmans bien sûr, qui ont essayé de citer, de mettre une liste pour dire, voici les 73, ou plutôt les 72 groupes, car il y a un groupe sauvé. Voici les 72 groupes qui vont aller en enfer. Ils ont commencé à citer le Mu'tazila, et comme ça, tous les groupes. Mais Cheikh Lahmou dit que ce n'est pas ça la vie le plus juste. Pourquoi? Parce que, regardez la preuve de Cheikh Ibn Uthaymeen Lahmou. Il dit, parce que premièrement, le messager d'Allah ne l'a pas fait. Il n'a pas cité les groupes, même s'il n'existait pas à l'époque, mais Allah Ta'ala aurait pu l'inspirer et lui dire, voici les noms des groupes, premièrement. Et deuxièmement, si on va faire une liste maintenant des groupes, on va dire c'est tel groupe. Mais, si maintenant, après avoir fait une liste, dans 100 ans par exemple, 200 ans, il y a un autre groupe ou là d'autres groupes qui vont apparaître, comment qu'on va les mettre dans la liste? C'est pour ça que on doit laisser la liste ouverte. Vous comprenez? D'ailleurs, par exemple, ceux qui ont classé, par exemple, donné la liste des 72 groupes. Est-ce que parmi les 72, par exemple, ils citent les Ahbesh? Est-ce qu'il y a des Ahbesh dans les 72 groupes? Il n'y a pas. Et pourtant, les Ahbesh,
C'est une secte égarée. C'est une secte qui nie les attributs d'Allah, qui kaffare les savants, etc. Elle rentre dans les 72 groupes. Et pourtant, elle n'est pas citée dans la liste des savants. C'est pourquoi? Parce qu'elle n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, ou là 40 ans, cette secte n'existait pas. Donc on doit laisser, inshallah ta'ala, la liste ouverte, bi'idhnillah ta'ala. C'est aussi comme le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit qu'Allah ta'ala a 99 noms. 99 noms. Certains savants ont essayé aussi de dire c'est tel, tel et tel nom, mais il n'y a aucune certitude en cela. Surtout que le hadith qui cite, ou là, qui classe, ou là, qui désigne les 99 noms, le hadith de Tirmidhi, est un hadith faible, comme vous le savez, inshallah ta'ala. Ensuite, il est dit ici, il est dit, ce groupe, yani sauvé, qui se tient fermement à l'islam pur, est représenté par les gens de la tradition et du consensus. De la tradition et du consensus. Ahl sunnah ou le jama'a. Quand on dit ahl sunnah, pour montrer qu'ils ne sont pas ahl bid'a. Ce ne sont pas les gens de la bid'a. Ce sont les gens de la sunnah. Ils aiment la sunnah. Ils aiment le hadith authentique. Ils font la différence entre le hadith faible et le hadith authentique et le hadith forgé. Ce n'est pas comme yani, les gens de masse qui, il suffit que tu dises, le messager d'Allah a dit un hadith, il le croit. Il te dit, subhanallah, c'est le messager qui l'a dit. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le shir. L'imam, tu ne l'as pas entendu. Il a dit, le messager a dit. Donc c'est un hadith authentique. Et ils ne savent pas, bien sûr, que le hadith, pour être authentique, il faut des conditions dans le narrateur, des conditions dans la chaîne de transmission, des conditions dans le texte lui-même, et comme ça. Donc, il a dit, ce sont les gens, représentés par les gens de la sunna et de la jama'a. Pourquoi on dit jama'a? Pourquoi on dit jama'a? Parce que ce sont des gens qui suivent un certain groupe. Et ce certain groupe, ce n'est pas un parti. Non, ce n'est pas un parti. C'est pour ça que se trompent certains qui disent que salafiyyah c'est un parti. Ils disent c'est un parti, ils suivent le parti salafiste. Non, tout ça c'est de la propagande pour faire fuir les gens. Non, salafiyyah n'est pas un parti. Salafiyyah c'est un minhaj. C'est un minhaj. C'est une aqida. C'est un comportement. C'est une façon comment tu prends ta religion. De quelle façon tu la prends? Il y a un certain minhaj. Non. Il y a un minhaj qui s'appelle minhaj salafi. Je prends d'après les salafs, d'après les pieux prédécesseurs. Non, les pieux prédécesseurs, les sahaba, leurs enfants et leurs enfants. Ils connaissent mieux que moi l'islam. Ils sont plus sincères que moi. Ils aiment Allah Ta'ala et son prophète mieux que moi. Moi, par rapport aux compagnons, je ne vaux rien. Si j'étais un ongle dans ou là, sur un orteil d'un compagnon, ça aurait été yani, beaucoup pour moi. Ça, c'est pas vrai ce que je dis. Si j'étais un ongle, par exemple, sur l'orteil de Abu Bakr Siddiq, ce serait pour moi, bien sûr, une grande faveur que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. Or, ces gens-là, les compagnons, et leurs enfants, tabi'un et tabi'u tabi'in, le messager d'Allah, sallam, leur a donné une tazkiyah. Il a dit, khayrun nas qarni. Les meilleurs gens, ce sont les compagnons, qarni. C'est-à-dire le siècle où je vis, le siècle où il vivait, il y avait les compagnons. والذين يتلونهم يلونهم والذين يلونهم mais ceux qui viennent après sont leurs enfants subhanallah et le petit-fils ceux-là ils ont une tazkiyah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yani ils peuvent pas se tromper en islam s'ils se trompent leur faute est moindre par rapport aux autres naam donc moi je suis ceux-là je ne suis pas d'autres gens qui sont venus maintenant avec des minhaj, avec des minhaj et des concepts et des idéaux nouveaux qui se sont construits eux-mêmes et se basant sur cela, ils veulent comprendre l'islam. Cela, moi, je ne les suis pas, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, pourquoi on les appelle aussi jama'a? On les appelle jama'a aussi parce qu'ils se groupent autour d'un imam. Ils sont toujours groupés autour de qui? Autour de quelqu'un qui les dirige, ce qu'on appelle le gouverneur musulman. Quant aux autres sectes, ou bien ils n'ont pas de dirigeant, ou bien ils ont un dirigeant mais ils ne l'acceptent pas. Ils disent de lui c'est un kafir, comme les khawarij par exemple, les takfir.
Ils disent non, il n'y a pas de gouverneur musulman en cette époque-là. Tous les hukams sont des kuffars. Tous les hukams sont des kuffars. Donc, si tous les hukams sont des kuffars, et tous les grands savants sont aussi des kuffars, bien sûr, donc qu'est-ce qu'on va être? On va être un troupeau. Un troupeau qui marche sans avoir qui, sans avoir quelqu'un qui le guide, et ni quelqu'un qui le régit. Et ce sera bien sûr Al-Fawda. Et alors, qui voudra dira ce qu'il voudra. Qui voudra dira ce qu'il voudra. Puisqu'il n'y a pas de savant maintenant, quiconque peut prendre le micro et dire ce qu'il veut. Dire que l'islam c'est ceci, l'islam c'est cela. C'est pour ça que vous trouvez dans beaucoup de salons maintenant des gens qui ne connaissent même pas l'arabe. Je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas yani, le Coran. Ils ne connaissent même pas l'arabe, rien de l'arabe. Et qui prétendent yani, donner des cours et apprendre aux gens l'islam. Et si au moins ça s'arrêtait là. Et dénigrer tous les autres. Et dire de tous les autres qui sont dans le faux. Et ils sont dans le coffre, ils sont dans la mécréance. Regardez comment le shaitan a joué avec cela. A'oudou billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et enfin, la dernière des choses, il a été cité ici dans le livre de Cheikh Islam, rahimahullah, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe de ma communauté ne cessera d'être dans la vérité et d'avoir le dessus jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui s'opposera à lui ou bien l'abandonnera ne lui causera aucun préjudice. » C'est un hadith authentique. Non. Je répète, un groupe de ma communauté ne cessera d'être dans la vérité et d'avoir le dessus jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui s'opposera à lui ou bien l'abandonnera ne lui causera aucun préjudice. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit ici, il a dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que, yani, personne ne peut causer à ce groupe un préjudice jusqu'au jour de la résurrection. Le hadith a dit comme ça, jusqu'au jour de la résurrection. Il a dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith qui est authentique, qui est rapporté par Muslim, il a dit que, « La taqumu sa'a » il n'y aura pas la fin du monde « Hatta la yuqal fil ard Allah Allah »« Hatta la yuqal fil ard Allah Allah » il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur cette terre « Allah Allah » c'est-à-dire il n'y aura pas la fin du monde jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'islam. Car vous savez que pour que Allah Ta'ala mette fin à ce monde, il faudrait qu'il ne reste aucun musulman sur terre. Parce que le musulman Allah subhanahu wa ta'ala veut lui faire cette faveur de ne pas quoi? De ne pas assister à ce qui va se passer à la fin du monde. C'est pour ça que dans le hadith du Bukhari, il va envoyer un vent. Et ce vent-là, dès que les gens, les croyants vont le sentir sous leurs aisselles, celui qui est croyant va mourir. Et il ne va rester vivant que celui qui n'est pas croyant. C'est sur cela, c'est sur ces gens-là qui ne sont pas croyants, que Allah Ta'ala va faire quoi? Va faire fin à ce monde. Donc, apparemment, il y a quoi? Apparemment, c'est comme s'il y avait une contradiction. Le hadith a dit que le groupe sauvé, personne ne lui fera de préjudice ni de mal jusqu'à la fin du monde. Et l'autre hadith dit quoi? Il dit que la fin du monde n'aura pas lieu jusqu'à ce qu'on ne dise plus Allah Allah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'islam. Or, comment le premier hadith a dit qu'ils resteront jusqu'à la fin du monde. Et le deuxième hadith a dit que dans la fin du monde, il n'y aura pas d'islam. Alors comment yani, on peut joindre entre les deux hadiths? On peut joindre entre les deux hadiths en disant, lorsque le messager d'Allah a dit jusqu'à la fin du monde, non, il y a ici deux avis. Non. Le premier avis, la fin du monde ici dans le hadith, c'est la fin de chaque personne. Chaque personne qui meurt, hein, c'est sa fin du monde. Vous savez ça? Chaque personne qui meurt, c'est sa fin du monde. Hein, quand une personne meurt, elle va quitter ce monde. Donc elle va aller dans l'au-delà. Donc c'est pour elle la fin du monde. Donc le messager de là a voulu dire que jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire la fin
de ce groupe sauvé jusqu'à ce que ce groupe sauvé meure. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il a dit, c'est-à-dire jusqu'à ce que approche la fin du monde. Il a dit en arabe, c'est très connu, c'est même éloquent chez les arabes, de parler d'une chose, hein, de parler d'elle, mais en voulant dire que, yani on parle de son approche, de son approchement. Il a dit, c'est la même chose ici. Lorsque le messager d'Allah a dit jusqu'à la fin du monde, il voulait dire jusqu'à ce qu'il restait juste un peu pour la fin du monde. Il a dit, voilà la réponse la plus yani, plausible. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ô Allah, fais que nous soyons de l'heure, des leurs, c'est-à-dire des gens de la sunna et du consensus. Et n'imprime aucune déviation à nos cœurs. La tuzir qulubana, après nous avoir guidés, ba'daïd hadaytana, accorde-nous une miséricorde émanant de toi. Na'am, wa hab lana min ladunka rahma. Certes, tu es le dispensateur de toutes les grâces. Na'am, certes, tu es le dispensateur de toutes les grâces. Il a dit, innahu huwa al-wahhab, il a dit, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Wa sallallahu ala Muhammad, et Allah, oh Allah, prie sur Muhammad, wa sahbihi, wa alihi wa sahbihi, sa famille et ses compagnons, wa sallim tasliman kathira, et salue-les d'un salut abondant. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, le dernier cours, bi'idhnillahi ta'ala, dans l'aqida, l'wasitiya, pour ceux qui ont commencé à assister depuis l'année 2007 ou bien 2008, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a yani, donné cette faveur d'avoir terminé ce livre, naam, qui contient, inshallah ta'ala, 692 pages. Et ce qu'on vient de faire ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vient que de lui. Ce n'est ni de moi, ni de ma force, ni de mon intelligence. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, qui a aidé, qui a guidé, qui a facilité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous fasse la bénédiction sur ce qu'il nous a appris et qu'il nous aide à pratiquer ce qu'on a appris. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On va, inshallah ta'ala, se rencontrer dans 10 minutes à peu près pour, inshallah ta'ala, répondre à vos questions, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, vous m'avez aidé et ça a déconnecté le paltoc. Donc, je vous demande, inshallah ta'ala, de me redonner vos questions parce que j'ai perdu toutes vos questions. Donc, ceux qui ont gardé leurs questions, qui me font un copier-coller, inshallah ta'ala, et me redonnent leurs questions. Parce que... voilà. Non, juste. Quelques secondes. Le Hikma 31, est-ce que je peux avoir votre question, Inch'Allah Ta'ala aussi? Donc, je vais poser la première question, Inch'Allah, de Ummu Mehjan. Assalamu alaykum. Pardon, enfin. Assalamu alaykum. Cheikhuna. Parce que je reçois beaucoup de questions, c'est pour ça. Ça me gêne. Assalamu alaikum, Shaykhuna. Hayakum Allah. Lorsqu'une femme est en train de prier et qu'elle doit prendre son enfant, il y a certaines positions qu'on fait dans la salat, comme le recours qui est difficile à faire puisqu'on a l'enfant dans les bras. Mais aussi quand on est assis pour faire le tashahhud. On ne peut poser les mains sur les genoux, vu qu'il y a l'enfant qu'on doit toujours tenir. Est-ce que nous en sommes excusés, sachant que les gestes et les positions dans la salat doivent être bien effectués? Allah yajazikum bi khair wa ahsanallah ilaykum. Ensuite, c'est la deuxième question de Umm Hurayra. Que je trouve. Deuxième question de Umm Hurayra. Qui dit. Assalamu alaikum ya Sheikh, qu'Allah vous récompense. Amin.
Une sœur demande la règle sur le masah après les ablutions, et elle souhaiterait savoir si elle fait les ablutions en mouillant ses pieds à la prière de Dhuhr, et qu'ensuite elle refasse ses ablutions à la prière de l'Asr, et fait le masah sur les chaussettes. Et juste après avoir fait le masah, elle change de chaussettes sans essuiement. Elle change de chaussettes sans essuyer. Est-il toujours valable? Ces ablutions sont-ils toujours valables ou doit-elle recommencer le masah si elle perd ses ablutions? Barakallahu fikoum. Et la troisième question, elle est de Doucouré. Doucouré. Salam alaykoum. Avant de se convertir, un frère vivait avec une femme non musulmane et il aimerait savoir si il peut se marier avec elle. Et qui doit être qui doit être le mahram de la femme, car elle n'est pas musulmane. Voilà à toi, Akhi Abou Zak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son sur Paltalk? Alhamdulillah. In speak. Albanie. Alhamdulillah. Donc la question du frère Yadoun sur InSpeak. Assalamu alaikum. Si la veille j'ai eu mes fins de menstrues et que le lendemain matin je ne vois aucune tache et que je fais roussoul et que 2 jours après j'ai de nouveau des petites taches marron clair et que 3 jours seulement après mon roussoul, j'ai le petit liquide blanc comme le dit le hadith connu, le liquide blanc, je ne l'ai pas avant le roussoul, mais bien après. Est-ce que j'ai fait roussoul trop tôt en sachant que moi c'est trompeur? Car j'ai une tache, car j'ai aucune tache. J'ai rien si c'est, mais après ça revient et le liquide blanc, je ne les avais pas avant. Que faire? À chaque fois, j'ai ouest-ouest. Je me dis que ça se trouve, j'ai fait toutes mes prières alors que j'avais les règles et que je m'étais trompé. Je fais roussoul juste une fois par mois et j'ai ouest-ouest de savoir si je me purifie trop tôt ou pas. Trop tôt ou pas. C'est dur. J'ai beau lire des articles là-dessus. Barakallahu fikoum cheikh. J'espère que c'était clair. Inch'Allah, je passe à la deuxième question qui est de Nusayba. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le temps passé avec nous. Ma question concerne la prière. J'ai un petit frère de 6 ans, qu'Allah le préserve. J'essaie de lui faire apprendre des sourates. Mais il n'est pas du tout motivé. S'il apprend en contrepartie, il veut jouer aux jeux vidéo, sinon il n'apprend pas. Et j'ai peur que cela devienne une habitude et qu'il ne veuille apprendre que pour jouer. J'ai essayé de le faire prier à mes côtés. Lorsque je récite à voix haute, lui montrer des enfants sur Internet, mais ça ne lui donne pas envie. Je ne sais plus quoi faire pour le motiver. Que me conseillez-vous? Barakallahu fikum. Je répète la question, inshallah ta'ala, sur le masah. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous récompense, amin. Une sœur demande la règle sur le masah après les ablutions. Elle souhaiterait savoir si elle fait les ablutions en mouillant ses pieds à la prière de Dhuhr et qu'ensuite elle refasse ses ablutions à la prière de l'Asr. Et à la prière de l'Asr, elle fait le masah sur ses chaussettes. Et juste après avoir fait le masah, elle change de chaussettes. Juste après avoir fait le massage, elle change de chaussette sans essuiement, sans qu'elle ait fait le massage. Est-ce qu'il est toujours valable ou doit-elle recommencer le massage si elle perd ses ablutions? Barakallahu fikum. Et elle demande aussi, il y a une sœur qui vous a demandé de lui répondre dès que possible à son mail. Son mail, il est au nom de Soulaim. Et elle a dit qu'elle avait des problèmes avec son tuteur. Elle vous a envoyé un mail ce matin. Voilà, cher, tafadhal. Ibrahim, regarde. Dans la question du masah, il y a des contradictions. Car d'un côté, tu as dit qu'elle venait de faire le masah, ensuite elle a enlevé les chaussettes. Et de l'autre côté, tu as dit elle les a enlevées sans faire le masah. Donc il faut choisir entre yani, elle a fait le masah ou elle n'a pas fait le masah. Donc je te donne, inshallah ta'ala, yani, l'occasion de relire la question. Tafadhal. Je voulais écrire, je voulais mis en copier-coller là sur le salon.
تفضل يا شيخ. نعم، on commence Allah Ta'ala par la première question de la femme qui prie, hein, qui a des difficultés quand elle a l'enfant, quand elle est dans la position, et elle est inclinée. Et elle dit aussi que quand elle s'assoit pour faire le teshehud, son enfant la gêne. Premièrement, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, en prenant la fille de sa fille, en prenant Umama, la fille de qui? De Zaynab, de sa fille Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, sallallahu alayhi wa sallam. Comment qu'il faisait? Il la prenait sur les épaules. Donc je dis à ma soeur, si tu veux prendre ton enfant pendant la salat, prends-le sur les épaules. Non, prends-le sur les épaules. C'est pas, tu le prends, yani, collé à ta poitrine. Ensuite, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'asseyait, afin, quand il voulait s'incliner, ou là, il allait se prosterner, il posait l'enfant. Il le posait, on le pose par terre. À notre gauche, par exemple. Non. Et ensuite, quand il se relevait pour la deuxième raka, il la reprenait, il la remettait sur ses épaules, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, si tu vas poser l'enfant sur yani, ton genou, là en faisant la prière, il va gêner. Ensuite, il est là en face de moi, il va gêner. De même que le messager, alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques, quand il se prosternait, Al-Hassein ou Al-Hussein, radiallahu ta'ala anhuma, monter sur son dos. Donc il est permis, quand tu te prosternes, de laisser l'enfant sur ton dos. Car sur notre dos, il ne nous gêne pas. Il n'est pas en face de la Qibla, il n'est pas assis entre nos jambes. Non. C'est pour ça que on doit le mettre ou bien sur le dos, ou bien sur l'épaule, ou bien à sa gauche, ou bien à sa droite. On ne le laisse pas comme ça, au milieu, il va nous gêner, il va pas nous laisser faire la prière comme on doit la faire, bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Pour la deuxième question, pour le mesh, une personne qui a fait les ablutions, ensuite elle a mis ses chaussettes, ensuite elle a essuyé dessus. Maintenant, si elle les enlève et elle n'a pas perdu les ablutions, elle est par exemple, elle a toujours ses ablutions, et qu'elle met d'autres chaussettes, elle peut faire la salat, continuer une prochaine salat avec les nouvelles chaussettes, à condition qu'elle ne perde pas les ablutions. Mais si elle perd les ablutions, elle ne peut plus essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? Comme a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, cette personne les a rentrées dans ses pieds après un mesh, parce qu'elle a déjà fait le mesh, et elle a rentré d'autres chaussures. Mais si par contre, je n'ai pas fait de mesh, j'enlève mes chaussures et j'en mets de nouvelles sans avoir fait de mesh sur les anciennes, dans ce cas, je peux le faire. Mais si jamais une personne fait de mesh sur ses chaussettes, ensuite elle les enlève, elle en met d'autres, elle ne peut pas essuyer sur les autres. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, se basant sur le hadith qui dit que pour essuyer, il faut rentrer les pieds après le wudu, pas après le mesh. Pour la personne qui dit que qu'elle vivait en concubinage avec une autre personne, et que maintenant, elle s'est reconvertie, et que s'il lui était permis de, par exemple, d'épouser cette femme ou bien d'épouser cet homme avec lequel ils vivaient ensemble. La réponse, il n'y a aucun problème. Si le couple, si les deux, c'est-à-dire, ont fait le repentir, si les deux se sont reconvertis, c'est-à-dire sont rentrés en islam, et les deux ont fait le repentir sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et l'un des signes du repentir sincère, c'est quoi? C'est de se quitter. C'est de se quitter après avoir connu les jugements de l'islam. Se quitter, de ne plus se parler et de se comporter l'un envers l'autre comme des étrangers. Ça, et je ne le connais plus, même si, astaghfirullah, je dormais avec lui. Maintenant, là, je ne le connais plus, il ne me connaît plus. Non, c'est un étranger et il vient demander ma main à mon tuteur. Et comme ça, après avoir fait, inshallah ta'ala, le sincère, le repentir sincère. Non. Pour la personne qui parlait de monstrueux,
En principe, on ne doit pas se précipiter, hein, pour dire que yani, on est pur, on est pur. Surtout pour les femmes qui ont le liquide blanc. Celle qui a le liquide blanc qui vient après les menstrues, celle-là, elle ne doit jamais se baser sur le fait que l'endroit soit devenu sec. Ça ne suffit pas pour celle qui a l'habitude de voir les pertes blanches et le liquide blanc. Mais celle qui n'a pas l'habitude de voir le liquide blanc se suffit au fait qu'elle soit sèche. Quand elle sait qu'elle soit sèche, ça lui suffit bien ta'ala. Et le délit qu'il ne faut pas se précipiter, c'est que les compagnons, radiallahu ta'ala anhunna, quand elles avaient le doute, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles envoyaient un morceau de coton à notre mère, Aïcha, radiallahu ta'ala anha, pour qu'elle lui dise, est-ce que, d'après toi, on est pur ou pas? Et Aïcha, radiallahu ta'ala anha, répondait toujours qu'il ne fallait pas se précipiter jusqu'à voir le liquide blanc, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, pour cette sœur qui, après que c'était, elle voyait qu'il n'y avait plus. Ensuite, le lendemain, il y avait toujours quelque chose de marron, etc. Ça veut dire que elle n'était pas encore pure. Non, elle n'était pas encore pure, mais qu'elle doit attendre que quoi? Ou bien le liquide blanc pour celles qui l'ont, ou bien qu'elle soit vraiment sèche pour celles qui quoi? Celles qui n'ont pas le liquide blanc. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'enfant et le Coran, Naam, 6 ans, ce n'est pas facile. Car même jusqu'à 10 ans, il va chercher à jouer. Il va chercher à jouer à les jeux, etc., etc., et la vidéo. Naam. C'est pour ça que il faut yani, essayer au maximum de l'éduquer et de yani, le faire côtoyer par des gens pieux, etc. Et de ne pas, je veux dire à sa mère ou à son père, et de ne pas désespérer et dire pourquoi il n'est pas comme les autres, pourquoi. Non, il est jeune. Il est jeune, il ne comprend pas encore bien les choses, il ne conçoit pas les choses, même s'il est, il fait la salat, etc. Même s'il l'a fait bien, il l'a fait par beaucoup plus par imitation que par yani, adoration et sincérité à cet âge-là. C'est pour ça, à cet âge-là, on ne doit pas yani, se chagriner, être désespéré, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais il faut veiller, veiller. Parce qu'à chaque fois qu'il y a la salade, je l'appelle devant moi. À chaque fois que je lui dis, va faire le wudu. Et comme ça, c'est un djihad. C'est un djihad. Faut pas dire, yani, classe, moi j'en ai marre, j'en peux plus. C'est un djihad. Non, c'est un djihad. À chaque fois que tu dis à ton fils, va faire le wudu, va, viens prier, mets ceci, mets cela. Chaque fois, tu as des ajr, inshallah ta'ala, tu as des récompenses. Car tu es en train de lui inculquer la sharia de Allah subhanahu wa azzawajal. Donc, inshallah ta'ala, il ne faut pas yani, désespérer, il faut patienter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de cet enfant-là un pieux et un savant. Naam. Tfadhal. Non. La question de Al-Hikma. Non. Al-Hikma 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous purifie et préserve votre famille. Amin. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la taqiyya? La taqiyya, est-ce que c'est cela qu'utilise la takfiriya pour se protéger? Car je n'arrive toujours pas à avaler ses mensonges pour protéger sa réputation. Ensuite, la question de Muslima 3. Muslima 3. Assalamu alaykum ya cheikh. Qu'Allah vous pardonne vos péchés et vous récompense pour le temps que vous nous apportez. Dans la sourate An-Nisa, verset 231, Allah Azzawajal dit: N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire? Et ce qu'on a fait descendre vers toi, et ce qu'on a fait descendre avant toi, ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui que nous avons, alors que c'est en lui que nous avons commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. Comment, Yachir, peut-on lier ce verset avec le fait qu'on soit autorisé à porter plainte ou encore à voter? En ce moment, nous étudions ce chapitre qui se trouve dans Kitab al-Tawhid et quelques sœurs ont quelques ambiguïtés sur ce sujet. Car on est convaincu dans notre cœur par la loi d'Allah
est la meilleure charia. Comment peut-on expliquer, expliquer l'autorisation de voter? L'autorisation de voter, pardon. Pouvez-vous nous éclairer en nous donnant des preuves avec les références si possible et des exemples qui s'appliquent à cela? Barakallahu fika cheikh, et pouvez-vous m'accorder un rendez-vous téléphonique? Cela vient de la part de Muslima 3. La troisième question, c'est de Adam. Adam 93. Elle demande, ma nièce, elle est avec un jeune, elle a un camarade de classe. Un camarade de classe, c'est un jeune converti. Ils sont en classe de troisième. La classe de troisième, c'est une classe dans le collège. C'est dans le collège. Et c'est un jeune converti. Elle demande quel livre ou quelle base peut-on lui conseiller afin de l'aider à bien apprendre sa aqida et les dangers des sectes. Aussi, je voudrais un rendez-vous téléphonique, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Tafadhal akhuna Abu Zak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Non. Sur une speak, inshallah, vous m'entendez? Albani? Alhamdulillah. Non, cher, avant de poser des questions, le frère ou la sœur Yadoun plutôt, sur la question des menstrues et des pertes blanches, la personne n'a pas bien compris. Et elle demande, elle n'a pas bien compris. Elle s'excuse, hein. J'ai des petites pertes blanches en temps normal de temps en temps, mais moi, c'est la fin des règles. Mais après Rossoul, ça revient marron. Voilà, elle a peur de prier en état impur. Elle a des waswas. Non. Voilà, Inch'Allah, pour la personne. Sinon, j'ai trois personnes qui me demandent un rendez-vous téléphonique, dont une où ça a l'air très urgent. Je suis d'une personne, je ne sais pas si je peux citer le nom, parce que ça a l'air privé et la personne, elle est connue. Hein, une sœur qui est mariée avec une personnalité connue et voilà, elle a besoin d'un rendez-vous téléphonique avec vous en urgence, cher. Voilà, je transmets donc. Donc ensuite, je vais lire la question donc de Maria. Assalamu alaikum, cher. Si on entre au paradis, Inch'Allah ta'ala, serait-il possible de voir plusieurs fois notre Seigneur? Qu'Allah ta'ala vous préserve, cher. Ensuite, la question de Ourida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends le travail à 6 heures. Puis-je faire la prière du Fajr avant l'Éden? Non. Voilà. À vous, Inch'Allah. Abou Zak, tu as terminé? Abou Zak, est-ce que tu as terminé? Aïe, j'ai pas entendu la dernière question. La dernière, tu as parlé de, je ne sais pas, une personne qui prenait le métro, là, je ne sais pas quoi. Et quand tu as parlé de celle des monstres, tu parles de la même personne ou c'est une autre personne? Qu'est-ce qu'elle a dit celle-là? Qu'est-ce qu'elle a dit à propos des pertes blanches? Non, assalamu alaikum. Non, c'est la première question que j'ai eue sur InSpeak tout à l'heure. Donc, elle n'a pas bien compris votre réponse. Et donc, qu'est-ce qu'elle redit là? J'ai pas bien compris aussi ce qui est écrit. Il y a écrit SEC. Hein. J'ai des petites pertes blanches en temps normal de temps en temps. Mais moi, c'est la fin des règles. Mais après le Roussoul, ça revient marron. Et vu que je ne suis pas marié, je fais jamais Roussoul. Je le fais juste une fois par an. Par an? Non, par mois, elle s'est trompée. Une fois par mois. Non, voilà. Et c'était la même personne. C'est tout cher ce que vous vouliez? Abou Zak, répète s'il te plaît, Jazakallah, répète, Barakallah. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Ibrahim, est-ce que vous m'entendez sur le PAL? Ah, alhamdulillah. Oui, c'était la question sur la salat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends le travail à 6 heures. Puis-je faire la prière du Fajr avant l'Éden? Voilà, la personne, elle commence à 6 heures. Et sûrement que le Éden, il se fait après cette heure-là. Donc elle demande si elle peut faire le Fajr avant l'Éden. Car elle commence à 6 heures du matin le travail. Tafadhal, cher. Je ne sais pas si
La chose est chez moi ou là chez vous. Mais je n'ai pas entendu la question de Abou Zer, je ne l'ai pas entendu. Maalich. Ibrahim, Ibrahim, répète-moi Baraklavik la première question, je n'ai pas compris. Non, Abou Zek, pour voilà, pour éviter que tu répètes, fais-lui copier-coller, inshallah ta'ala. Voilà, non, c'est la question de l'Hikma 31. Elle demande assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Cher, qu'Allah vous purifie, pardon, et préserve votre famille. Amin. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que la taqiyya? Est-ce que c'est cela qu'utilise la takfiriya pour se protéger? Car je n'arrive toujours pas à avaler ses mensonges pour protéger sa réputation. Apparemment, elle me dit que vous connaissez cette personne. Enfin, vous connaissez la personne de qui elle parle. Elle ne veut pas citer son nom. Donc, elle demande, voilà, qu'est-ce qu'est la taqiyya? Est-ce que vous pouvez lui expliquer qu'est-ce que la taqiya? Est-ce qu'elle utilise yani, la takfiriya pour se protéger et elle n'arrive pas à supporter yani, ces mensonges-là pour protéger elle-même sa réputation. Voilà, les chers. Non. Donc, taqiya, et qu'on appelle aussi tuqiya, et tuqa aussi, non, c'est surtout connu chez les chiites. C'est le fait de montrer quelque chose. Là, on montre qu'on est, par exemple, de tel avis, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Pour yani, attirer les gens et pour ne pas se faire des problèmes. Il y a des sectes qui appliquent cette chose. Il y a des sectes qui appliquent cette chose. Il te montre qu'il est avec toi, ou là qu'il aime tes savants, ou là ceci, ou là cela, qu'il est ton avis, alors qu'il ne l'est pas, etc. C'est une sorte d'hypocrisie. C'est un mensonge, bien sûr. Ça se trouve surtout chez la secte des chiites. Pourquoi? Pour yani, s'éloigner du mal des gens, etc. Non. Voilà ce que ça veut dire la taqiya et taqiya. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du mensonge. Ensuite, je dis à Al-Hikma, sache que toute personne qui prône et prêche pour sa personne et pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala ne lui facilite pas la voie et que à la fin ça se renverse toujours contre la personne et que yani, le mal qu'elle aura sera beaucoup plus grand que yani, les biens qu'elle a eu. C'est juste un moment, même si c'est un an, 10 ans, mouhim, ça va passer, c'est éphémère. Yani, même si la nuit, comme on dit, doit être longue, 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 il faut que yani, le soleil se lève le lendemain. Il faut que le jour apparaisse, même si la nuit est longue. C'est la même chose ici. Allah subhanahu wa ta'ala va faire des causes, nam, pour que quoi? Pour que sa da'wa, inshallah ta'ala, arrêtera un jour. Ou alors que les gens sacheront tous qu'elle est dans le faux. Ensuite, inshallah ta'ala, ou bien toi. Ce qui t'intéresse surtout, c'est quoi? C'est que Allah Ta'ala t'a aidé, et t'a ouvert les yeux, et t'a quoi? Et t'a éloigné de cette secte. Pour cette ni'ma, tu devrais remercier Allah subhanahu wa azzawajal, que il t'ait donné cette faveur qu'il n'a pas donnée à beaucoup de monde. Non. Ensuite, pour l'autre question, c'était. Non. Pour le livre pour le converti, quelqu'un qui est converti, qui est nouveau, on peut lui donner le Sunna ou Jama'a de Cheikh Ibn Uthaymin. Les gens de la Sunna et du consensus. Aqidat al-Sunna ou Jama'a de Cheikh Ibn Uthaymin. Hein? La profession de foi des gens du consensus. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Comment on peut lui donner quoi? On peut lui donner aussi, par exemple, l'usul salata. Les trois fondements, ou là les quatre fondements, les cinq fondements, les six fondements. Non. qu'est-ce qu'il y a encore? Pour la sœur qui a parlé des monstres, etc., je n'ai pas encore bien compris ce qu'elle voulait dire. Non, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Toute personne, je redis,
toute personne qui d'habitude a le liquide blanc, toute femme qui d'habitude a le liquide blanc, doit attendre avant de prendre sa douche jusqu'à ce qu'elle ait le liquide blanc. Et celle qui n'a pas le liquide blanc, elle doit attendre, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que ça soit vraiment devenu sec. Naam. Si c'est pas encore sec, elle ne doit pas prendre la douche. Maintenant, si c'est sûr que c'est sec et elle a pris la douche, s'il y a quelque chose de marron là qui sort après, ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith, les compagnons, ils ont dit que ils ne comptaient pas ce qui était après la purification. C'est-à-dire quand une femme sait qu'elle s'est purifiée, soit en voyant le liquide blanc pour celles qui ont les pertes blanches, ou bien la sécheresse pour celles qui voient que l'endroit est devenu sec. Ensuite, quand elles prennent la douche, ce qu'il sort là, comme tache marron là, ça ne compte pas comme, yani, comme annulation de la purification. Mais elle est toujours pure, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Mais pour celle qui n'a pas le liquide blanche, elle doit bien attendre pour s'assurer. Elle doit bien attendre pour s'assurer que, yani, inshallah ta'ala, elle est devenue, yani, l'endroit est devenu sec. Ensuite, pour la personne qui a dit que elle travaillait tôt le matin et qu'elle faisait la prière du Sobh avant l'Adhan, est-ce que c'est permis à cause du travail? Réponse, non, bien sûr. Non, aucune personne ne peut faire la salat avant l'Adhan. Au contraire, même après l'Adhan, elle ne peut pas faire la salat. Pour ça, elle doit attendre au moins 20 minutes, au moins un quart d'heure, disons. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là, elle va faire sa salat, yani, dans le bus, si elle prend le bus. Sinon, dans le train, là, le métro, là, la voiture, je ne sais pas dans quel moyen elle va aller au travail. Mais en étant assise, elle reste assise, et elle fait la prière en inclinant la tête et les yeux et la tête, car elle n'a pas d'autre solution que celle-là, sauf si elle sait que elle va arriver au travail avant le lever du soleil, avant que le soleil ne se lève, car si le soleil se lève, ça veut dire qu'elle a perdu salat sobh. Naam. Quant à enfin, entre autres pour les rendez-vous aussi, pour les rendez-vous, rappelez-moi, inshallah ta'ala, hein, pour le mercredi, inshallah ta'ala, pour le mercredi prochain, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Ou alors, demain c'est quoi? Regardez, des fois je donne des rendez-vous téléphoniques, ensuite il arrive que je sois quoi? Il arrive que des imprévus. Il arrive des imprévus. La semaine passée, j'ai donné un rendez-vous, plus 4 ou 5 rendez-vous. Ensuite, j'ai voyagé. N'empêche que j'ai laissé mon portable ouvert. Et j'ai dit à ma fille de répondre que comme quoi, yani, je ne pouvais pas répondre. Parce que je suis en voyage, c'est impossible de voyager en même temps de répondre. Surtout, vous connaissez la loi en Algérie pour celui qui conduit et qui parle au téléphone. El Mouhim. Donc... celle qui a dit que c'était très urgent, ou bien deux ou trois personnes, inshallah ta'ala, qu'ils peuvent téléphoner, inshallah ta'ala, demain. Attendez, je vais voir à quelle heure, parce que maintenant, quand je vous ai dit demain, je me suis souvenu que demain, je dois voyager, inshallah. Donc, disons à 17h, inshallah. D'accord, alors pour les rendez-vous, inshallah ta'ala, ceux qui m'ont demandé le téléphone, je dis demain, inshallah ta'ala, à 17h. Bi'idnillah ta'ala. Maintenant, reste pour la personne qui a cité le tribunal, qui a dit que Allah ta'ala avait dit que, yani, comment d'un côté, yani, on doit suivre ce qu'a légiféré Allah azzawajal, et d'un autre, on dit que c'est permis d'aller au tribunal des kuffars. Dites écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Et d'un autre côté, comme moi aussi, yani, on doit voter, etc. Non. Je dis à cette personne qui a posé cette question,
Je lui dis, attention à ce que, Akhil Karim ou la Ourti, attention à ce que, yani, tu suives le chemin des takfir et le chemin des khawarij et qu'il te joue, yani, il te joue sur la aqida et il te joue sur, yani, sur ta foi. Ils vont te dire, attention, regarde Allah ce qu'il a dit. Alam tara illadina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qabl. Et le verset, ومن يحكم بما أنزل الله, et il est verset très connu. Mais à cela, tu dois répondre, inshallah ta'ala, comme répondent les gens de la sunna et de la jama'a, et comme répondent les grands savants, et dire que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah ta'ala, ce n'est pas seulement le gouverneur. Toute personne qui ne juge pas avec les lois d'Allah est un kafir. Pas seulement le gouverneur. Toi, moi, ma mère, mon grand-père, les voisins, tout le monde qui ne juge pas avec les voies d'Allah subhanahu wa ta'ala est un kafir. Parce que les takfiris te disent que c'est seulement les gouverneurs. Alors que lui-même, le takfiri, alaykoum salam, alors que lui-même, le takfiri, ne juge pas avec les lois d'Allah dans son comportement envers sa famille, chez lui, dans son travail, etc. Non, la preuve, c'est que le verset lui-même qui parle de ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah qui sont des kofars, le verset lui-même est descendu sur deux juifs. Il n'est pas descendu sur le gouverneur. Même s'il était descendu sur le gouverneur, Allah Ta'ala dit « Men ». Ou « Men lam yahkum ».« Men ». « Men », c'est-à-dire toute personne qui ne juge pas avec les lois d'Allah. Et bien sûr, les gens de la sunna et du consensus disent qu'il y a des catégories de gens qui ne jugent pas avec les lois d'Allah. Et elles ne sont pas toutes au même niveau. C'est pour ça, et voilà le secret. C'est pour ça que Allah subhanahu wa azzawajal, attendez une seconde sur la sunna, on risque de passer des imprimés. Pour ceux qui peuvent, Inch'Allah Ta'ala, ils essayent d'être avec nous sur la section Europe, et en même temps avec nous ici, parce que c'est possible d'être dans deux salons à la fois, Inch'Allah Ta'ala. Car vous savez que les tekfiris là-bas, ils nous font la concurrence. Pour pas qu'ils soient, Inch'Allah Ta'ala, à tête de liste. J'avais dit, c'est là le grand secret pourquoi Allah Ta'ala a dit dans le Coran que ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah, il a dit ce sont des kofars, ensuite il a dit des injustes et il a dit des foussards, des fasiqoun, et valimoun. Pourquoi il n'a pas dit seulement des kofars? Pourquoi il a dit des injustes et pourquoi il a dit des fasiq? C'est comme disent les ulama pour montrer qu'il y a différentes sortes de gens qui ne jugent pas avec l'islam. Al-Muhim. Pour revenir au tribunal, on va dire que juger avec les lois d'Allah Azzawajal est une chose obligatoire. Non, est une chose obligatoire. Le tribunal doit être un tribunal musulman. Non. Mais, est-ce que c'est de ma faute maintenant s'il n'y a pas un tribunal musulman? Si moi je vis dans un pays de Kuf et que, non, il n'y a que le tribunal de Kuffar et que maintenant je suis entre deux choses. Ou bien je dépose plainte, ou bien je me laisse comme ça, on me prend tout, on me tue, on me fait ce qu'on veut. Non. Donc ici, la responsabilité repose sur qui? Repose sur le tribunal. Moi, je dépose plainte contre le voleur, et c'est à eux de lui couper sa main. Non. Moi, je dépose plainte contre celui qui a tué mon père, et c'est le tribunal qui doit loi, qui doit quoi? Qui doit lui, le tuer lui aussi. S'il ne le tue pas, c'est lui qui va endosser. Non, ce n'est pas moi. Car moi, on ne m'a pas fait choisir. On ne m'a pas dit, il y a le jugement d'Allah et il y a le jugement des kuffars. Et j'ai été choisir le jugement des kuffars. Moi, je n'aime pas le jugement des kuffars. Je suis contre. Mais là, il faut voir que je suis dans une situation spéciale. Non, une seconde, Inch'Allah Ta'ala, une seconde. Alhamdulillah. Car j'ai dû changer de pièce. Je disais, il faut faire la différence entre celui quoi? Celui qui aime qu'on applique la loi des kuffars sur lui, et qui se réjouit de voir la religion et la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala éloignée pour être remplacée par celle des kuffars. Et entre celui quoi? Celui qui se trouve dans un cas coincé et qu'il n'a d'autre solution que celle-là. Il n'a d'autre solution que de choisir entre deux mots, ou bien celui-là ou bien l'autre. C'est pour ça que ceux qui veulent la fatwa,
je le rapporte, inshallah ta'ala, deux fatwas en ce sens qu'il était permis de déposer plainte dans un tribunal de kuffar contre quelqu'un qui quoi, qui lui-même n'applique pas, qui lui-même n'applique pas et a volé, a fait ceci. Car celui qui a volé, celui qui a fait tuer, celui qui a, celui-là n'a pas jugé lui aussi avec l'islam. Lui aussi n'a pas jugé avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au vote, naam, vous savez que les savants ont divergé sur ce point. Il y en a qui ont dit qu'il ne faut pas voter du tout. Il y en a qui ont dit que c'était permis dans le sens où c'est éloigner un grand mal par un petit mal. Naam. Et parmi ceux qui ont dit que c'était permis, il y a Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Cheikh Mohsin Abed, rahimahullah, et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Naam. La fatwa, je vais vous donner le lien, inshallah ta'ala, parce que c'est long à lire. Vous allez la lire, inshallah ta'ala. Vous allez voir que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est basé sur le verset de Sourate Ar-Rum, où il est dit que les catholiques, les romains, allaient combattre qui ? Allaient combattre les gens du feu, Al-Force, les Perses. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les Romains allaient gagner, et que ce jour-là, les croyants seraient contents. Allah ta'ala a dit que les Romains, les catholiques, les kuffars allaient gagner, et que les musulmans vont se réjouir de quoi ? De cette victoire. Cheikh Albani s'est basé sur ce verset que pourtant les catholiques ce sont des kofars. Comment moi je vais me réjouir d'un kofar s'il gagne la guerre? Réponse: Naam, je me réjouis d'un catholique qui combat par exemple un bouddhiste. Parce que le catholique au moins il a quelque chose de commun avec moi, c'est quoi? Il croit en Allah Ta'ala. Alors que le bouddhiste ne croit pas du tout, et l'athée et le communiste ne croit pas du tout en Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils croient en la statue, en des trucs qui ne viennent pas du ciel, comme on peut dire. Naam. Donc, que j'allais dire, maintenant, imaginez, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez que dans le prochain vote, il va y avoir Sarkozy et un autre. Je ne sais pas qui c'est, je vais l'appeler Jean-Pierre, c'est tout. Sarkozy, il va montrer son programme. Il va dire: je vais enlever le djilbab à toutes celles qui le portent, et le niqab et le qamis à tous les hommes, et fermer les mosquées. Ensuite, il y a un deuxième kafir qui s'appelle Jean-Pierre. Il va dire: moi, dans mon programme, c'est permis le djilbab, le niqab. C'est permis d'ouvrir les mosquées et de faire la da'wa. Naam. Et que maintenant, on t'oblige à voter. Comme par exemple ici en Algérie, où des fois on te dit: si tu votes pas, il va se passer, on va te priver de telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Ça existe chez nous. Tu vas demander une résidence, on te dit: donne-moi la carte du vote. Tu vas demander un papier, on te dit: donne-moi la carte que tu as voté. El Mohim. Et que tu te trouves maintenant entre voter sur Sarkozy, qui t'a dit: je vais te priver de ça et ça, ou là de voter sur Jean-Pierre, qui t'a dit: je vais te donner ça et ça, alors que les deux sont des kofars. Est-ce que ces deux kofars, Jean-Pierre et Sarkozy, qui sont les deux des kofars, est-ce qu'ils sont sur le même degré? Est-ce que les deux oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces deux oncles, wahad qui s'appelle Abu Lahab, et le deuxième qui s'appelle qui? Qui s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelle, Amou, celui qui l'a toujours aidé dans toute sa vie, il l'a aidé. Naam. Est-ce que ces deux sont égaux chez Allah subhanahu wa ta'ala? Celui, l'oncle du prophète, un kafir, qui l'a aidé toute sa vie. Rappelez-moi comment il s'appelle. Il l'a aidé toute sa vie, seulement il n'a pas fait la shahada avant de mourir, son oncle. Il est mort kafir. C'est un kafir. Est-ce que celui-là, il est à pied d'égalité avec l'autre kafir, qui s'appelle Abu Lahab, son oncle, qui du matin au soir, Abu Talib, barakallahu fi. Est-ce que l'oncle du prophète Abu Talib, qui est kafir, et sur le même point d'égalité que son oncle qui est kafir, l'autre qui s'appelle Abu Lahab, qui du matin au soir combattait l'islam? Donc sûrement que si on va me dire, si je vivais à la Mecque, on va me dire: yani, qui va commander ici? Il faut que tu votes, choisis Abu Talib ou là tu choisis Abu Lahab.
c'est sûr que je vais choisir Abu Talib. Pourquoi? C'est pas que j'aime le vote, ni que j'aime le coffre, mais c'est pour y aller choisir le moindre mal. Abu Talib, c'est un mal parce que c'est un kafir. Et l'autre oncle, Abu Lahab, c'est un mal. C'est un kafir aussi. Mais c'est quoi le moindre mal? Le moindre mal, c'est Abu Talib. La même chose ici entre Sarkozy et Jean-Pierre. Le moindre mal, c'est Jean-Pierre, celui-là, qui a dit que j'enlève pas le djilbab et je laisse les mosquées ouvertes ici. Mais j'aime pas voter. Si on me force, j'aime pas. Même je suis contre. J'aime pas le coffre. Mais il faut faire la différence entre quand on est dans une situation spéciale sans qu'on aime cette chose et la différence entre ça et la différence entre c'est nous qui aimons le coffre, c'est nous qui aimons la démocratie, c'est nous qui aimons les lois qui ne viennent pas d'Allah, c'est nous qui aimons enlever les lois d'Allah pour les faire remplacer. Exactement comme a fait Atatürk. Atatürk, qu'est-ce qu'il a fait le maudit? Il a enlevé les lois d'Allah et il a enlevé l'arabe, il a enlevé le Aden. Et il les a remplacés par les lois de Kofar. Il y a une grande différence entre celui-là et celui qui hein, essaye de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et qui ne peut pas. Al-Muhim, je vais vous donner la fatwa de Sheikh Al-Albani ici. Sur le vote, vous allez la lire, celle de Mohsen Al-Abbad et les autres, même Choufenaïr, pour ceux qui ont permis de voter. Inch'Allah ta'ala, je donne le micro pour passer aux autres questions. Non, salam alaikum wa rahmatullah. Donc, c'est la question de Yassine 2. Yassine 2, elle demande salam alaikum, mes chers, barakallahu fikum pour vos durous. Une sœur demande, mon mari veut aller au Hajj cette année, inshallah, avec moi, mais nous avons trois enfants. Mais nous avons trois enfants et j'ose pas trop les laisser et partir et trop les laisser et partir. Que dois-je faire? Est-ce que je dois lui obéir et partir avec lui au Hajj ou rester avec mes enfants? Et elle passe un grand salam à votre épouse. Ensuite, c'est la question de Abu Abdurrahman. Là, je juste demande Bint Ahmed, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu son tour. Bint Ahmed 2, pouvez-vous me passer votre question, Inch'Allah? Abu Abdurrahman. Assalamu alaikum, mes chers. Ahsanallahu alaikum. Tout d'abord, je remercie Allah Azzawajal pour la ni'ma de nous enseigner la science par votre cause. Qu'Allah vous protège, ya cher. Lors du dernier cours, une question avait été posée sur le fait de faire l'aumône à un frère qui avait raté la prière du Maghrib. Je voudrais savoir lequel des deux dirige cette prière. Où est-ce qu'il y a divergence? Barakallahu fikum. Ensuite, c'est la question de Umm Muhammad. Elle dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande si elle est obligée d'interrompre la salat car quelqu'un frappe à la porte et qu'elle est seule et qu'elle est la seule qui puisse l'ouvrir. Doit-elle ensuite recommencer la salat depuis le début ou bien seulement la reprendre là où elle s'était arrêtée. Qu'Allah vous récompense et vous préserve ainsi que les admis. Elle demande aussi, est-ce qu'elle pourrait avoir un nouveau rendez-vous téléphonique car la dernière fois elle avait appelé vers 14h comme prévu, mais on m'a dit que de rappeler vers 21h je crois. Elle ne pouvait pas voir. Qu'Allah fait comme. تفضل يا شيخ تفضل ابو زكي du Hajj, la question du Hajj. La question du Hajj concerne, c'est la soeur, son mari va aller au Hajj. Elle dit mon mari va aller au Hajj cette année, Inch'Allah, avec moi, mais nous avons trois enfants et j'ose pas trop les laisser partir. J'ose pas trop les laisser. Désolé. Elle demandait, elle n'ose pas trop les laisser. Est-ce qu'elle doit obéir à son mari et partir avec lui ou doit-elle rester avec ses trois enfants? Voilà, t'as pas d'aller chercher. Akhouna Abou Zakafan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc, c'est la question de Ourde 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma question est la suivante. On m'a dit que ce bas monde est le paradis des koufar et l'au-delà sera l'enfer, et vice-versa pour les musulmans. Mais comment expliquer que des koufar sont malheureux toute leur vie dans ce bas monde et qu'ils ont des grandes épreuves, graves maladies, etc. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve dans ce bas monde pour les châtier? Si oui, pourquoi les châtie-t-il dans ce monde alors qu'ils vont subir le châtiment suprême dans l'au-delà? Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, 19, c'est Zakaria 72, donc c'est encore une question sur les monstrues, il me semble. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah récompense tous vos efforts. Question d'une sœur. Alhamdulillah, shir. J'ai eu une petite fille que j'ai appelée Safiya suite à votre conseil. Le temps des lochis est passé maintenant sur 3 jours. J'ai eu quelques petites gouttes de sang le premier jour, plus les symptômes des règles, puis du liquide marron. Je me demande si c'est bien des menstrues. Est-ce que je dois prier ou pas? Barakallahu fikum. Et la sœur, le frère demande, allez-vous reprendre le livre Madarij Salikin, cher? Barakallahu fikum. Tafaddal, cher. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas comment aujourd'hui, yani, c'est passé que... Mais qadar Allah ma chafa, c'est trop tard. C'est passé que, comme tu as dit, c'est encore une question sur les lochis, etc. Alors que d'habitude, le samedi dans la Aqida, je ne réponds jamais sur ce genre de questions. Aqida, c'est seulement yani, Aqida, Salat et Minhaj. Mais c'est venu comme ça, qadar Allah ma chafa. Al-Muhim. Je commence par... Attendez une seconde. Naam. Maalish, je me fiche mouchkil, yom, inshallah. En ce qui concerne quelqu'un, Inch'Allah, c'est pas lui. Non. Quand quelqu'un, par exemple, vient de faire sa salat, je prends un exemple, j'ai fait salat al-dhuhr, par exemple là. Ensuite, par exemple, je vais chez moi, par exemple, je me trouve mon frère qui n'a pas encore fait salat al-dhuhr. Il me dit, par exemple, mon frère me dit, est-ce que tu veux faire l'aumône? Est-ce que tu veux faire... Non, moi je dis, attendez, non, c'est mon frère qui me dit, puisque moi j'ai fait la prière du dhuhr, lui il l'a pas faite. Il me dit, est-ce que tu veux faire l'aumône? Je lui dis, d'accord. C'est-à-dire, je vais prier avec lui, alors que moi j'ai prié le dhuhr, mais je vais prier avec lui, lui, il va prier le dhuhr. Maintenant, qui est-ce qui va guider? Celui qui va guider, c'est celui qui n'a pas fait encore sa salat. C'est-à-dire, lui, il va me guider, mon frère. Et lui, il va me guider avec l'intention du dhuhr. Et moi, je vais rentrer avec lui avec l'intention de ses nafila. Ou bien la même chose, par exemple, avec mon épouse. Je suis allé à la mosquée, ils ont fait la salat. Je suis revenu à la maison. Je lui dis, fais avec moi la prière. Elle me dit, khlas, moi, j'ai fait salat al dhuhr. Je lui dis, ça fait rien, fais nafila derrière moi. Comme ça, je suis en groupe. Donc, celui qui va faire l'aumône, c'est celui qui va être guidé. C'est pas lui qui va guider. Il ne doit pas guider, il doit se mettre à la droite de celui qui guide. Ou bien derrière celui qui guide, si c'est une femme. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Celui qui veut faire l'aumône avec sa salat, il ne doit pas guider. Mais il doit être guidé. Et le hadith authentique, en sahih tirmidhi du Sheikh al-Albani, rahimahullah, que le messager d'Allah a vu une personne rentrer après Salat al-Asr. Et que cette personne a commencé à faire la Salat seule. Or, le messager, alayhi sallam, s'est retourné vers ses compagnons et il leur a dit, qui de vous voudrait faire l'aumône? Et quelqu'un s'est levé, ce quelqu'un c'est Abu Bakr Siddiq. Il s'est levé et il est allé se mettre à la droite de la personne qui faisait la prière seule. Vous comprenez? Donc, il a fait l'aumône. Pour faire l'aumône, tu ne dois pas guider, tu dois te mettre avec la personne qui fait la salat. Taïb. Maintenant, c'est pour lui qui guide. Pour la personne qui a dit, quand on frappe à la porte, est-ce que je peux couper ma salat et aller ouvrir? Et si je coupe, est-ce que quand je reviens, je continue ou bien je fais une nouvelle salat?
Réponse, inshallah ta'ala. Si je fais la salat, je n'ai pas le droit d'aller ouvrir la porte, nam, si la porte n'est pas quoi? N'est pas en face de moi ou derrière moi, juste un peu à ma gauche, juste un peu à ma droite. Sinon, c'est permis. Sinon, le hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud, donc il fait par Sheikh Al-Albani, où le messager d'Allah, alors qu'il faisait la salat, il a entendu quelqu'un frapper à la porte, et la porte était en face de lui. Il a marché quelques pas, il lui a ouvert. Donc je dis à cette personne, si tu sais que quelqu'un va frapper à la porte et que tu vas lui ouvrir, donc tu dois faire la prière pas loin de la porte pour que je puisse marcher juste un pas en avant, en arrière, à droite ou à gauche, sans quitter la Qibla. Mes yeux toujours, mon visage toujours face à la Qibla. Mais si maintenant je me tourne, je donne la Qibla, je lui donne mon dos pour aller ouvrir la porte, j'ai annulé ma salat, je dois la refaire de nouveau et je n'ai pas le droit d'aller lui ouvrir la porte. Sauf si vraiment il y a quelque chose, une nécessité, un danger mortel, je ne sais pas, c'est très très grave. Alors là, je quitte la salat, je sors. Là, si je la refais après. Mais si c'est juste quelqu'un qui frappe à la porte, il doit attendre. Non, je la fais un peu plus vite que d'habitude et je vais ouvrir. Mais si elle est juste en face de moi ou derrière moi, ou juste à ma droite ou à ma gauche, tout en restant dans la salat, je m'approche de la porte, je l'ouvre et je refais quelques pas en arrière et je continue ma salat. Bien sûr, dans le cas où je sais que la personne qui est en train de frapper, par exemple, c'est mon fils ou mon mari ou quelqu'un qui va rentrer. Mais si c'est le plombier, là, je ne vais pas lui ouvrir parce qu'il va s'étonner. Il va dire comment on m'a ouvert et on n'en a pas parlé. Ensuite, il peut rentrer. Si c'est une femme, elle va se trouver avec lui, etc. Enfin, il y a des précautions à prendre, Inch'Allah ta'ala. Non, pour le rendez-vous, celle qui a demandé le rendez-vous, demain, Inch'Allah ta'ala, à 17h, comme j'ai dit aux autres. Pour la personne qui veut aller au Hajj, mais a peur de laisser ses enfants. Je dis, non, cela, est-ce que tu vas obéir au mari et partir ou bien rester? Cela dépend, yani, de ces enfants-là. Si je vais les laisser entre des mains, yani, de bonnes mains, des mains yani, fiables, chez ma mère, chez ma soeur, chez, je ne sais pas, pas chez les voisins par exemple, entre des mains yani, qui vont les garder, bien les préserver, etc., je dois aller au Hajj. Pourquoi? Le Hajj, c'est une occasion qui peut ne pas revenir. Naam, si tu ne pars pas cette année, ne pars pas avec ton mari au Hajj, ensuite, où est le mahram qui va te prendre au Hajj? Ça peut être l'une et l'unique occasion qui va te passer sous le nez, naam, d'aller au Hajj, d'aller faire ce grand pilier et de le rater. Ensuite, n'oublie pas, inshallah ta'ala, que si l'enfant ou tes enfants ne sont pas vraiment à bas âge, ne sont pas en train d'allaiter, etc., que quoi? Que un mois va vite passer, bi'illah ta'ala. Tu fermes les yeux, tu reviens. Ensuite, bi'illah, rien ne va arriver à tes enfants. Car tu vas partir, fils et bi'illah, tu vas partir pour faire une grande adoration. En quittant la maison, tu vas faire la dua. Ou tu vas dire, entre autres, dans la dua, Allahumma anta sahibu fi safar, c'est toi le compagnon dans le voyage, ou le khalifatu fil ahli. Et c'est toi qui vas, yani, comment on dit ça, khalifa, c'est-à-dire être à ma place, si je puis dire, yani, quand je suis absent. Donc c'est Allah Ta'ala qui va te garder tes enfants. Pour la personne qui a parlé non, des louchis, qui a appelé sa fille Safiya, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve cette fille non, et fasse d'elle une pieuse, je fais la remarque que de préférence, non, je dis à ma soeur que de préférence, tu dois, Inch'Allah ta'ala, faire ton possible non, pour l'appeler Safiya. Non, pour l'appeler Safiya, pour ne pas l'appeler Safiya. Safiya. Non, mais, yani, Safiya, comme s'appelaient les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour yani, faire un peu la différence entre le prénom français et le prénom musulman. Non. Ensuite, pour les lochis, ce qu'elle a dit, ils le sont. Attendez, il faut que je me rappelle ce qu'elle a dit. Non, je me rappelle maintenant. Les savants disent que si après les 40 jours, la femme voit que le sang n'a pas arrêté de cesser et qu'il est devenu noir, ou bien qu'il se coagule, ou bien qu'il a l'odeur, alors elle doit dire que ce sont les menstrues,
comme ça disent les savants, ils ont dit il y a beaucoup de cas où après les lochis c'est directement les monstrues bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que si le sang n'arrête pas de couler, qu'il a une couleur ou une odeur, elle doit considérer comme monstrue, inshallah ta'ala, et arrêter de ne de pas prier jusqu'à ce qu'il parte bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, pour la dernière, qui a dit que le messager d'Allah avait dit que Dunya sijnul mu'min. Dunya, ce bas monde, c'est la prison du croyant. Sijnul mu'min et Jannatul kafir. Et c'est le paradis de qui? Du mécréant. Pourquoi? Parce que le mécréant, c'est son paradis. Il ne va pas avoir un autre paradis là-bas. Il ne va rentrer qu'à ce paradis. Donc, là, il fait ce qu'il veut. Il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il voit ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il va où il veut. Pas de restriction, pas de limite. Alors que le croyant, ça c'est interdit, ça c'est pas légiféré, ça c'est décommandé, ça c'est pas bien ça, les versets et les hadiths. Donc, il est en prison en quelque sorte. Mais, comme disent les savants, chaque personne, chaque être humain doit passer par, doit choisir entre une prison, ensuite la vraie liberté dans le paradis, ou bien un paradis, ensuite les chaînes et la vraie prison. Toute personne doit passer par ces deux, mais elle choisit, elle commence par quoi, c'est tout. Nous, alhamdoulilah, on a choisi de commencer par quoi? On a choisi de commencer par la prison, pour, inshallah ta'ala, se libérer demain quand on rencontre le Seigneur, et se trouver dans le paradis. D'autres ont choisi le contraire. Ils ont dit, nous on est pressés. On veut tout maintenant. Après, on s'en fout ce qui se passe. D'ailleurs, on ne croit même pas qu'il y a quelque chose après la mort. Ils ont dit, donc on veut tout maintenant. On leur dit, faites ce que vous voulez. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. Et le jour où les croyants seront exposés devant le feu. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا. Vous avez été rassasié, vous avez exterminé, pourquoi? طَيِّبَاتِكُمْ. Il y a des bienfaits, vos passions, vos tentations dans cette vie, dans le bas monde. فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Et vous avez joui de vos passions. الْيَوْمَ. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui les attend? Bien sûr, il les attend. عَذَبْ الْهُونَ. C'est le grand châtiment qui les attend. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Aujourd'hui, il a dit, vous allez voir ce qui vous attend. Donc vous voyez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de ce qu'ils avaient, de toutes les tentations, ils les ont fait ici. Alors que nous, inchallah, les grandes tentations, les grandes délices, c'est demain quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la personne a dit ici, mais pourquoi il y a des kafirs, il y a des kuffars qui sont très malheureux et qui ne sont pas dans le paradis. Alors que le hadith a dit que cette dunya, c'est le paradis du kafir. Réponse, une fois, il y avait un savant qui était habillé, masha'Allah, et il était sur une monture, masha'Allah. Alors quelqu'un lui a dit, toi, tu es un savant, et tu t'habilles comme ça, et tu montes une monture pareille, alors que le messager d'Allah a dit que par rapport aux croyants, cette vie, c'est quoi? C'est une prison. Alors que toi, tu es comme ça, avec tous ces beaux habits, toute cette monture, Yanni, il lui a dit que tu contredis le hadith du messager d'Allah. Que lui a dit le savant? Il lui a dit, écoute, je vais t'expliquer ce que veut dire aussi le hadith. Il lui a dit, le hadith que tu as cité, toi, ça veut dire que nous, comme tu me vois maintenant habillé, masha'Allah, et la belle monture que j'ai, et tout cela n'est rien. Ce petit paradis où je suis n'est rien par rapport au grand paradis qui attend. Et le kafir, je réponds à la sœur maintenant, et le kafir, avec tous les maux qu'il a, et les malheurs, et les problèmes, ce n'est rien par rapport à ce qu'il attend demain devant Allah subhanahu wa ta'ala comme grand châtiment.
Non. Certains koufars ont été payés ici avant l'au-delà. Ils ont été châtiés ici avant l'au-delà. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut, il lui donne ici le paradis et là-bas l'enfer. Celui qui ne veut pas, il lui donne ici le petit enfer et là-bas le grand enfer. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans le Coran, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il a dit, on va les faire goûter le petit châtiment avant qu'ils ne goûtent le grand châtiment. Donc Allah ta'ala a choisi certains kuffars, il leur a donné ici le petit châtiment avant le grand châtiment qui les attend demain. والله عز وجل أعلم. تفضل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il y a une soeur qui a perdu sa place. Elle demande. Non. La question est de Salafia Mali. Je cherche la question au niveau, parce que je ne vois pas. Ah non. Salafia Mali, elle demande assalamu alaikum, Cheikh. Avec mon époux, on devait aller au Yémen et j'ai mis les livres de ma bibliothèque en vente. Pour cause de départ, et des personnes me les avaient réservés. Mais vu la complication pour obtenir un visa en ce moment, je ne sais plus quand est-ce que l'on va partir. Donc ma question, c'est est-ce que je peux annuler mes promesses de vente vu que le départ est décalé jusqu'à nouvel ordre? Donc elle dit si elle vend tous ses livres, elle aura plus rien à lire quoi. Deuxième question de Bint Ahmed 2. Assalamu alaikum ya Cheikh. Hayakum Allah. Une sœur a reçu une certaine somme d'argent et pendant plusieurs années, cette somme est restée sur un compte. Et la sœur n'avait pas accès à son compte jusqu'à l'âge de 19 ans. Doit-elle sortir la zakat de toutes les années précédentes maintenant qu'elle a accès à son compte? Troisième question de Abu Abdullah 86. Assalamu alaikum. Kayfa halukum? Inni uhibbukum fillah. Pouvez-vous me rappeler l'importance des savants et du danger de les dénigrer? Et comment devons-nous nous comporter envers eux, barakallahu fikoum. Tafadhal Abou Zak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Yadisson. Ou bien Cheikh. Non, alhamdulillah. Can you speak Albani, c'est bon? Il y a un délai entre les deux. Alhamdulillah. Donc là, je vais lire la question d'Al-Islam Salafi. Le frère demande Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme qui fait la salat, la prière, et que son voile, pendant le soujoud, la prosternation, se lève et découvre son cou, et que celle-ci le remet en place plusieurs fois, annule-t-il la salat? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Et ensuite. J'attends toujours vos questions, Abou Ilyes. Non. Et Hafsa n'a pas de questions. Qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande un entretien téléphonique, Inch'Allah. Car elle habite à l'étranger, sa situation est un petit peu difficile. Voilà. Donc là, Abdelrahman, Inch'Allah, le prochain, parce que là, je crois que votre question n'est pas prête. Si elle est prête, vous me la postez, Inch'Allah, sur la room. Je vous enlève le raid. Je vous donne le droit d'écrire, Inch'Allah, si elle est prête, postez-la. Sinon, je vais en profiter, Inch'Allah, car en fait, j'en ai une. Bon, je pose la mienne en attendant, Inch'Allah, vu qu'il n'y a plus personne ici sur le InSpeak, à part Oum Abdelrahman qui vient de se mettre. Moi, cher, c'est au sujet de quatre versets du Coran, dans la surat Al-Waqi'ah, où Allah Azza wa Jalla il dit... attendez... Attendez, je ne me rappelle plus du verset. Je ne me rappelle plus, subhanallah. Ajib. Moi aussi, je perds du temps.
Allah Azzawajal dit au début, dans une partie, il dit Allah Azzawajal, Sullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. Donc, ces deux versets, j'ai lu dans Ibn Kassir. Mais après, plus loin, Allah Azzawajal, il dit Wa sullatum min al Sullatum min al-awwalin wa sullatum min al-akhirin. Donc d'apparence, ça me fait quelque chose, c'est que ça y a pas d'explication dans Ibn Kassir, je l'ai pas trouvé dans la traduction du Ibn Kassir en français. C'est que les deux groupes, les premiers et les derniers, le professeur il a dit dans Ibn Kassir que ça fait partie de sa communauté. Donc là ce que j'en comprends, ça, d'apparence ça se contredit. Est-ce que vous m'avez compris, cher, ce que je veux dire? Non, tafadhal cher. Abou Zak fait saute. Abou Zak. Naam. Baraklovic, j'ai pas compris. Si tu pouvais recommencer, tafadhal. Assalamu alaikum. Naam. C'est au sujet donc des quatre versets dans la sourate Al-Waqi'ah. Allah Azza wa Jalla dit. Subhanallah. Thumma min al-awwalin. Attendez. J'ai encore perdu. Enfin, c'est au sujet des quatre versets. Alors, j'avais dit parmi une grande troupe parmi les premières générations et très peu parmi les dernières générations. Et ensuite, plus loin dans la sourate, il dit une grande partie parmi les premières générations et une grande partie parmi les dernières. Et là, d'apparence, j'ai l'impression que ça se contredit. Parce que ça dit que ça parle des gens qui vont rentrer au paradis. Donc, dans la première partie. Une grande partie parmi les premières générations et une petite parmi les dernières. Et plus loin dans la sourate, Allah Azzajal, il dit une grande partie, une grande troupe parmi les premières générations et une grande partie dans la dernière génération. Donc, c'est-à-dire, et dans Ibn Kassir, ils disent que le prophète, il parlait que les deux générations font partie de sa communauté. Donc on en comprend les premiers parmi les musulmans et les derniers parmi les musulmans. Et certains ont dit qu'il y avait Artilov, que d'autres disaient que c'était non les communautés précédentes. Mais Ibn Kassir disait que l'avis le plus juste, c'était ceux qui disent que ces deux parties, ces deux troupes, sont de la communauté musulmane. Donc en fait, d'apparence, ça se contredit. Au début, ça dit beaucoup, et ensuite ça dit très peu parmi les dernières. Et ensuite, ça dit beaucoup parmi les premières et beaucoup parmi les dernières. Et j'ai pas réussi à trouver d'explication. Écrivez-moi si vous avez compris, Shir. Écrivez-moi 1-1 si vous avez compris. Vous n'avez pas compris. Shir, vous n'avez pas compris? Ah, vous avez compris, alhamdoulilah. Je vous laisse le micro, inshallah. Assalamu alaikum, Shir. Ma'adik Allah, barak Allah. Akhid Allah, inshallah. Naam, l'an fih laqit. Et l'aqat, inshallah, alhamdoulilah. Pour celle qui a demandé le rendez-vous, je lui dis, inshallah, téléphonez demain à 17h, bi'idna azzawajal. Bi'idna azzawajal. Pour la personne qui m'avait demandé tout à l'heure, si je devais faire encore un cours sur Madarij Salikin, j'ai oublié de lui répondre. Naam, je lui dis que je n'ai pas le livre en français. Naam, le livre. Je ne l'ai pas en français. Quand je l'aurai, inshallah ta'ala, je ferai quelques cours sur ce livre. Le cours que j'ai fait une fois, c'est moi qui ai traduit comme ça de ma tête. Ça m'a pris beaucoup de temps. Naam. C'est pour Madarij Salikin. Pour la personne qui a vendu ses livres, qui devait partir au Yémen, etc., elle n'a pas dit si elle a vendu et reçu de l'argent ou elle a vendu seulement en donnant des paroles, en faisant la promesse. Et dans tous les cas, comme vous savez, c'est permis, c'est juste une promesse de vente. Naam. Dans tous les cas, même quand on reçoit de l'argent et on a vendu, c'est permis en islam de demander le désistement. Et le messager d'Allah a dit que quiconque yani, demande le désistement, acceptez-le. Naam. Et que yani, il aura des récompenses quand je me désiste et je rends la marchandise à la personne et elle me rend mon argent. Donc cette personne, elle doit juste s'excuser et dire à ces gens que voilà, yani, je regrette pour ce que j'avais promis, car j'ai promis me basant sur une chose. Cette chose n'a pas eu lieu. Donc je me désiste de ma vente, bi'idnillahi ta'ala. Pour le compte de la zakat,
Non. Pour le compte de la zakat, en principe, puisque mon argent, c'est mon argent, non, c'est mon argent, et qu'il était dans un compte, non. Ce qui est sûr, c'est que la première année où je vais pouvoir accéder à ce compte, je dois faire sortir la zakat. Reste pour les années d'avant, je rendrai la réponse, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Pour les années d'avant, je rendrai la réponse la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Pour qu'est-ce qui est écrit ici? Naam. L'importance des savants, je vais le laisser pour la fin. Pour le khimar qui tombe, naam. Je dois, avant de commencer ma salat, bien me préparer pour qu'il ne tombe pas le khimar. Car s'il tombe une fois, deux fois, ensuite ça peut devenir un jeu. Et vous savez que toute chose, naam, qui, si on la fait beaucoup dans la salat, elle l'annule. Toute chose. C'est pour ça que le messager d'Allah, quelqu'un lui a dit que quand il priait ou là, il faisait soujoud, il touchait comme ça un caillou. Il lui a dit une fois, d'accord. Mais si à chaque fois tu commences à toucher comme ça pour éloigner ce caillou une fois, deux fois, trois fois, quatre, ensuite ce n'est plus de la salat. La même chose pour le khimar qui tombe. S'il tombe une fois ou là, il veut tomber, ouais, je le retiens une fois, deux fois, maximum trois fois. Mais si c'est à chaque minute je fais comme ça, maintenant, je ne suis plus dans la salat. D'ailleurs, celui qui va me voir en train de faire comme ça, il ne croit pas que je suis dans la salat. Il croit que cette femme est debout, elle est en train d'arranger son khimar. C'est pour ça que, avant de rentrer dans la salat, je dois prendre les précautions nécessaires. Les précautions nécessaires, bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, je ne me rappelle pas c'est quoi la deuxième question. C'est quoi la deuxième? Naam, je lui ai dit que la prochaine fois, inshallah ta'ala, je lui donne la réponse. Naam, je lui dirai, inshallah ta'ala, je lui ai dit que la prochaine fois, inshallah ta'ala, je lui donnerai la réponse. Naam. Et enfin, pour celui qui a dit quelle était l'importance des savants, etc., etc. Réponse, ça suffit. Ça suffit en ce qui concerne l'importance des savants. Le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que n'est pas de nous, il a cité trois sortes de gens. Il a dit entre autres, celui qui ne connaît pas la valeur de nos savants. Donc, n'est pas de nous. Il a dit ça suffit comme quoi? Ça suffit comme châtiment et ça suffit comme. Comme Yanni, ce qu'il attend demain quand il va mourir. Le fait de ne pas connaître et reconnaître quoi? L'importance, Yanni, et la valeur du savant. Pourquoi? Parce que quand on ne donne plus d'importance aux savants et on les dénigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va les écarter et on va suivre nos passions. On va suivre d'autres gens qui, bien sûr, sont des ignorants qui vont être à leur place. C'est comme ça, chaque fois qu'on enlève un savant, il y a un ignorant qui va venir à sa place. Comme dans le hadith sahih du messager d'Allah, qui a dit que, yani à la fin du monde, quand Allah subhanahu wa ta'ala prendra les âmes des savants, etc., il a dit que les gens ils vont prendre quoi? Des têtes d'ignorants. Et ils vont leur poser des questions. Et ces têtes d'ignorants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'égarer eux-mêmes et égarer les gens. Non, pourquoi? Parce que les savants, tous les savants sont morts. Maintenant, la même chose, le savant n'est pas mort, mais. Tu l'as fait mourir, toi, en refoulant les gens de lui, en faisant fuir les gens de lui. Donc il est vivant, mais mort, c'est-à-dire il ne sert à rien. Personne ne l'entend, personne ne l'écoute. Non. Donc maintenant, quand il n'y a plus ce savant, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux moi-même, moi le plus grand ignorant, je peux dire que je suis savant, sans le dire. Je commence à donner des fatwas, j'ouvre un salon sur Pastor et je dis n'importe quoi, je dis ce que je veux. Je vais à l'internet, je choisis des fatwas, copier-coller, et ce qui a s'appliquer dans une situation spéciale, je l'applique en général. Ce qui est général, je le mets dans une situation spéciale. Ce qui s'applique spécialement aux malades, moi je le rends pour tout le monde. Ce qui est pour tout le monde, je le mets aux malades, et comme ça, je mélange tout, et je dis que c'est Allah Ta'ala qui a dit, que le prophète, c'est lui qui a dit. Et comme ça, je vais égarer et égarer tout le monde. Or, ceux qui suivent les savants et les grands savants,
en cette faveur de quoi? De ne pas dévier du haqq. Ensuite, si jamais il t'arrive quelque chose, yom al-qiyama, tu as quoi? Tu as cette excuse de dire, ya Allah, moi je suis un ignorant. Moi je suis un simple mécanicien, un simple boucher, un simple boulanger, un simple, je ne sais pas, qu'est-ce que je vendais au marché. Non, je ne connais rien. C'est ce savant qui m'a égaré. Les savants sont qui? Ce sont les héritiers du messager et des messagers, n'est-ce pas, le hadith authentique. Ce sont warasatul anbiya, les héritiers des messagers. Donc, c'est lui qui m'a égaré, c'est pas de ma faute. Moi, je n'ai pas assez de science pour pouvoir discerner le vrai du faux. Donc, tu as cet avantage devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui ne suivait pas les savants, qu'est-ce qui va lui arriver? Ça veut dire qu'il suivait ses passions lui-même et ses tentations. Wallahu azza wa jal a'lam. Voilà, inshallah ta'ala, il est presque 1h du matin. Ça suffit, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Pour le téléphone, inshallah ta'ala, demain. Et quoi, Cheikh? Je sais pas, Abou Zak, c'est quoi ta question? Tfadlal. Assalamu alaikum. Sur les deux versets, Cheikh. Thullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. Et plus loin dans la sourate, Sulatum min al-awwalin wa sulatum min al-akhirin. Akhirin, na'am. C'est celle-là, Cheikh. Et aussi, je voudrais préciser une chose. Tout à l'heure, Hafsa, c'est qui a dit par téléphone. En fait, non. Elle demande la sœur si elle vous envoie un mail. Est-ce qu'il n'y a bien que vous qui va le lire? Elle voudrait être sûre que c'est bien que vous qui allez le lire. Car c'est une question délicate. Elle ne peut pas téléphoner. En fait, elle habite à l'étranger. Et sa situation est très délicate. Et elle a besoin de l'avis d'une personne de science. Inch'Allah. Donc, voilà, ce serait que par mail, Inch'Allah. Et la sœur demande que vous lui confirmiez, Inch'Allah, que à 100%. C'est vous qui allez le lui dire. Inch'Allah, le mail, je vais vous le donner, Inch'Allah. Ou Hafsa, je vais vous le donner, Inch'Allah. Voilà, tafadal shir. Donc, ma question, c'est sur les quatre ayats de la surat al-Waqi'a, qui, en apparence, je dis bien en apparence, parce que je sais que c'est mon ignorance, mais avec mon ignorance, ça se contredit. Donc, Inch'Allah, et j'ai pas trouvé d'explication dans Ibn Kathir. J'ai pas trouvé d'explication à cette. Dans le début de la surat, ça dit ça, et ensuite, en apparence, ça dit que dans les deux générations, les premières et dernières, il y aura une grande partie, une grande troupe. Naam. Sulatum min al-awwalin wa sulatum min al-akhirin, ça dit dans la fin, dans le milieu de la sourate. Jazakumullahu khair, Cheikh. Abou Zak, tu m'entends? Naam. Franchement, moi je vois pas où est la difficulté, où est la contradiction. Je vois pas, franchement. Chauffe. Allah subhanahu wa ta'ala parlait de certains gens, il parlait des proches, muqarrabin. Ce sont les proches, vraiment, ceux qui passent la nuit à prier, les jours à jeûner, donnent tout leur argent en aumône, etc. Vraiment les proches. Il a dit que de ceux-là, il y avait un groupe qui allait entrer, des premiers. Et un groupe des derniers, deux. Mais quand il a parlé, ensuite il a changé. Il a parlé d'autres gens. Il a dit, quant à ceux de la droite, al-yamin, c'est-à-dire des gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps faisaient des fautes, laissaient passer certains wajib, faisaient certains haram. Ils ne sont pas sortis de l'adoration. Il a dit, ceux-là, non, il y aura seulement, il y a un petit groupe. Un groupe du début et un peu à la fin. C'est pas comme les autres. Beaucoup du début, beaucoup de la fin. Donc il ne parle pas des mêmes gens. C'est pour ça qu'il a changé la récompense. C'est pas la même. C'est pas le même nombre qui va rentrer. Est-ce que c'est clair, Bouzek? Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que moi je ne vois pas. Non, c'est pour ça que moi je ne vois pas, Inch'Allah. Où il y a l'akhar, où il y a la contradiction. Ensuite, Nam, je vais te donner. Wajazak. Je vais te donner le micro, Ibrahim. Ensuite, pour la sœur qui a dit, la femme qui a dit, est-ce que je peux lui assurer à 100% que yani, c'est seulement moi qui lis l'akhar, qui lis le courrier. Nam, je lui dis dès maintenant que c'est pas à 100% seulement moi qui vais le lire. Non, c'est pas à 100%.
S'il y a une autre personne, il se peut que mon épouse lise. Il se peut que mon épouse lise. Parce qu'elle a le mot de passe et des fois elle rentre avant moi, elle voit qu'est-ce qu'il y a, elle jette comme ça un coup d'œil, des fois elle lit, des fois elle ne lit pas. Donc il est possible qu'elle lise. Des fois c'est elle qui me dit, X a écrit, il a dit ceci, cela. Vous comprenez? Donc voilà la réponse pour ceux qui devaient envoyer le mail. Tfadal Ibrahim, je te donne le micro. Mais il n'y a pas une troisième personne. Mais il n'y a pas une troisième personne qui lit le courrier. Tfadal. Non, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah ta'ala, juste pour dire aux frères et sœurs qu'ils n'ont pas pu leur poser leur question, reposez vos questions la semaine prochaine, Inch'Allah. Enfin, mercredi prochain, exactement. Il y a le frère Mohamed Abou Safiya qui vous demande votre adresse en Algérie car il voudrait vous envoyer quelque chose. Le frère, le pseudo Mohamed Abou Safiya, il vous demande votre adresse pour vous envoyer quelque chose. Et il y a une soeur, elle s'appelle Asia, elle vous a envoyé un mail. Il paraît que c'est très 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 urgent et elle aimerait que vous lui répondiez, Inch'Allah ta'ala. Des aubergines, mumkin. Et je tiens à rappeler, Inch'Allah ta'ala, mes frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer dans la région parisienne, que demain, Inch'Allah, il y aura bi'idhnillah ta'ala, si tout se passe bien. Asia. Elle vous a envoyé un mail. Que demain, Inch'Allah ta'ala, il y aura la retransmission en direct des muraux des séminaires de Médine, le 6e séminaire de Médine. Donc voilà, vous êtes tous invités, bi'idhnillah ta'ala, ça commencera à 10h. Hein? Et le frère, c'est Mohamed Abou Safiya. Voilà, la retransmission en direct, Inch'Allah ta'ala. Et je tiens à vous informer aussi, Inch'Allah, que le week-end du 27, il y aura le séminaire de Pontoise. Hein, le séminaire de Pontoise. Vous êtes tous y invités, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce sera un séminaire qui sera consacré sur les droits en islam. Sur le droit d'Allah, les droits de la famille, le droit des ulama. Il y aura aussi l'exhortation sur la mort et ses châtiments. Il y aura aussi les droits des mosquées, le comportement à avoir. Dans les mosquées, il y aura aussi le jour du vendredi, les droits du prophète, les droits des gouverneurs, les droits de la communauté. Vous êtes tous invités, voilà, barakallahu fikoum, jazakoum allahu khairan, barakallahu fik shaykhana, wa ahsan allahu laik, wa sanaltaqiu yawm al-arba'a, on se retrouvera le mercredi bi'idnillah. Hayakoum allah, wa salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.